même pas sûr qu'on allait le faire. Les gens te voient Non mais râler. super. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur Partie Privée, bienvenue YouTube, bienvenue Twitch. Comment Bonsoir. Eh ça oui, va je suis ce encore en soir? train de râler En parce que fait, le chat on fait vous des explique. En conneries. fait, on joue à un petit jeu. Ce soir, il n'y a pas beaucoup de mise en place. Donc, quand les chats voient qu'il y a un peu de place, contrairement à maintenant qu'ils sont disciplinés, ils ne vont plus. Quand on joue à des gros jeux, ils viennent plus sur le plateau. Mais là, il a essayé de passer. Donc, du coup, il embarque Donc le on ne sait fil de pas la si la caméra. webcam est On ne sait pas fonctionnelle. du coup si on aura le retour plateau. Donc, on va dire bonjour à tout le monde. Je voulais prendre madame par surprise. Donc, Ça, coucou c'est ma pas très fa... petite! ça, c'est pas très C'est cool, pas hein. très fair play, je suis Non. d'accord. Et coucou Megumi, comment ça va ma chère amie? Coucou Merci pour ton Megumi. 27e mois d'abonnement déjà, c'est Oui. énorme. T'es toujours dans tes montagnes, Megumi? Non. Non, t'es revenu. C'est juste le week-end. T'es juste au week-end? D'accord, Enfin, bon, tous les vendredis à on chaque fois. espère que tu vas bien. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas suivi le live, mais en fait, on n'a pas beaucoup streamé non plus ces Oui. derniers temps. Là, on essaie de revenir à un Depuis. rythme hebdomadaire, mais là, on a laissé passer 3 semaines entre Barrage et les Radwood Stars. Avant ça, on avait fait Invention, on avait laissé passer 2 semaines. Donc, Ouais. c'est peut-être pour ça aussi que ça te donne cette impression, mais ça nous fait plaisir de t'avoir avec nous. Et Et salut coucou, Seb. Little Seb, comment ça va, mon ami? Et salut Oh, Tête tête 2, 2. comment est-ce? Ah, tu t'es éclairci les cheveux, Hélène, demande Nati. Pas du tout. C'est leur couleur naturelle. C'est juste ça va faire 2 ans que j'ai pas fait de coloration. Et donc du coup, bah, ils reprennent leur couleur naturelle. Donc je suis châtain. Donc, si vous voulez voir Hélène avec les cheveux noirs, noirs, Faut aller sur les faut aller premiers sur les streams. streams d'il y a 2 ans, 3 ans. Voilà, c'est en grosso modo, c'est ça. C'est ça. Et là, ils sont très 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 longs. Donc il va falloir que je les coupe parce que là, avec l'été, ça va être compliqué. Mais en gros, j'ai les cheveux qui m'arrivent bah, à l'arrêt des fesses, quoi. Les cheveux très longs, effectivement. En tout cas, on espère que vous allez toutes et tous super bien. On s'était dit. Estás Yes, bueno bueno del del Kinder, Kinder, danke danke schön, schön, amigo. amigo. Ok, là, t'as fait un mix de tout le continent, quoi. Estás buenos del Kinder. Tu manges un Kinder? Haribo, Mark Enderfro. J'aime ma chaîne Ebenzo. Voilà, très bien. Kindergarten, tout Ah oui, ça. c'était ça. Je sais pas pourquoi je connaissais le logo d'Haribo en allemand. Ok. Donc c'était Haribo Markt Kinderfroh. Ouais. Haribo rend les enfants heureux. Et machin 1-1 et Benzo. Et je crois que c'est et les adultes aussi. Voilà. D'accord. Voilà, c'était le point culture de ce jour de partie privée. Bref, moi c'était reprise du boulot aujourd'hui. Donc on s'est dit petit stream. Moi, c'est demain. Non, c'est demain. Et donc, petit stream. Et on avait le choix entre deux jeux. Il y avait Loot qui vient de sortir. Yes. Et Caldera Park. Qui est sorti il y a vachement plus longtemps. Oui. On a fait la roue de la fortune avec madame, c'est-à-dire on a tiré pile ou face. Et c'est donc ce soir Caldera Caldera Park Park. qui a remporté les suffrages. Donc c'est pour ainsi dire, c'est pas, si vous le connaissez déjà, bah Enfin, il n'a voilà. pas remporté le suffrage, c'est juste qu'on a fait tourner Oui, la roue c'est ça, du. oui. Enfin, c'est lui qui a gagné le pile ou face, quoi. Ouais. Si vous le connaissez déjà, bon bah voilà. Et si vous ne le connaissez pas, bah dans 5 minutes, vous connaîtrez déjà tout ce qu'il y a à savoir pour savoir y jouer. Parce que c'est donc une variante, pour le rappel, de Savannah Parks. En fait, c'est Savannah Park, mais avec un petit truc en C'est plus, un quoi. twist, c'est une grosse variante de Savannah Park qui repose sur le même principe mais qui n'a pas du tout les mêmes mécaniques. Et donc c'est un jeu de Wolfgang Kramer et de Michael Kiesling et c'est illustré par Annika Heller et Fabrice Weiss, sorti chez nous via Super Meeple et édité à la base par Deepprint Games. C'est pour 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 30 à 40 minutes. Donc vous allez voir, c'est assez torché et c'est à partir de 10 ans et plus et je pense que tu peux le faire avec des gens, des enfants plus jeunes. Oui, je pense aussi. Comme Savannah Park. Jolie anecdote, oui. Oui, Même je joue, merci, tête pas. 2, Ouais. c'est gentil. Non, c'était Lita Sabo. Oui, Little 7, pardon. Même pas. Réunion entre membres de représentants du personnel de deux sites aujourd'hui autour d'un gros repas de Dis, midi. Je tu es suis repu repris ce ce soir. soir, Bah, tu après un m'étonnes. gros repas d'affaires. Pour une fois qu'une journée de boulot est agréable. Ou, Ouais. écoute, si c'était. En plus, ça, si tu vous avez mangé dans un Tant bon mieux. resto, à l'œil, Tant aux frais de mieux. la princesse, c'est très bien. Donc voilà, donc Caldera Park, bah, ça ressemble à ça, donc c'est pas très joli, hein, on va pas se mentir, évidemment. Voilà, grosse mise en place. Ah bon, bah Bah, du coup, forcément, ça marche. le chat a un petit peu dégommé le cadre, évidemment, parce que du coup, Mais on va ça plus va. se mettre, on peut se Mais décaler, je pense, d'un petit cran. c'est Voilà. toi qui prends la place avec ton Bah non, truc. mais c'est juste que mon plateau était comme ça, en fait, moi, sur le cadre, il était coupé. Donc, sachant qu'il est important quand même de voir les plateaux pour comprendre comment se marche le jeu. Bah, surtout que j'espère que le cadre zoom que j'ai fait tient toujours Ah bon. bah tiens, on va aller vérifier tout de suite, regarde ça. Donc on a un cadre zoom qui est là, qui était pour le plateau principal, et un cadre zoom qui est là. Ouais, bah non, bah, c'est très bien, regarde-moi ça, impeccable. C'est coloré, oui, c'est coloré. Oui. C'est très enfantin Comme design. comme design. Bon, après Mais voilà, bon. il y a des couleurs franches, mais bon. C'est pas très joli. Les plateaux comme le Oh, premier ça va, il y a Savannah pire. Parks, Hein.
Gondole. Gondole, regardez-moi ça. Mais ça, ils ont dit pourquoi? Ouais, ils avaient dit la chaleur. Enfin, cela dit, Savannah Park, si on y a joué en plein hiver, ça gondole tout pareil. Hein. Ce jeu est nul à chier, j'espère que vous l'avez volé et pas acheté avec nos plantureaux à bosser. Eh ben, figure-toi que non. Non. Pas celui-là, alors, on a acheté les Radwistar. On l'a acheté, celui-là on l'a acheté, mais avec une grosse promo. Ah oui, et on avec... a eu à quoi 8 euros. 8 euros. Oh, pareil, par contre, avec vos dons, enfin vos achats Philibert, on avait acheté les Radwistar. Ça vous va, monsieur Miroslav? C'est bon pour vous? Et bonsoir, hein. Et bonsoir, accessoirement. Et bonsoir, on espère que vous allez bien, monsieur Miros. Comment allez-vous? Et oui, ça gondole à Venise. Oui, et non, on ne le trouve pas nul à chier. C'est une bonne variante de Caldera. Mais très sympa. De Savannah, oh. C'est sympathique. En plus, ça, j'ai fait un super jeu de mots qui est subtil, il est technique. On va voir si vous l'avez. Tête 2 qui est dans le médical devrait l'avoir. Ah oui, c'est vrai. Je vous laisse réfléchir. Voilà, je laisse 3 minutes. Il faut le dire peut-être à haute voix, sachant qu'il manque une lettre, il manque les une diphtongue. Enfin un bon jeu dont j'ai pu apprécier votre vidéo. Ah, je bah n'ai tu pas vois. Vu, je n'ai pas vu le commentaire. Féroce, je n'ai il pas est vu où ton notre commentaire. Commentaire où comment on fait avec l'algorithme si tu commentes pas hein? Ouais. Et moi, je suis obligé de deviner que tu l'as regardé. Non, là, là, c'est pas possible. Mais oui, c'est sympathique, les Radwistar, effectivement. Et ça, c'est sympathique aussi. On n'est pas du tout dans la même gamme. Bah, c'est hein. Pas la même c'est gamme. Très familial et très mignon. Mais des fois, ça fait plaisir aussi de temps en temps. De temps en temps, petit jeu. C'est les jeux qu'on sort à l'apéro, ça, généralement. Ou quand on a la flemme de sortir un gros plateau. C'est ça. Mais généralement, ça reste quand même à l'apéro. Faut bien le reconnaître. Comme la famille est là, je lurk juste pour vous faire une vue de qualité. Bien évidemment, c'est très bon pour les stats. Merci à des toi. Des bisous à la famille Miros, évidemment. Bon jeu si vous jouez en famille, évidemment. La bise à toute la famille. On va commencer l'explication des règles, c'est ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Savannah Park, c'est à la base, vous aviez tout un tas d'animaux posés sur votre plateau. Et vous deviez retourner une tuile, annoncer la tuile que vous retournez, la positionner à un endroit. Et tout le monde autour de la table devait retourner et positionner exactement la même tuile, mais la positionner où ils veulent par contre. Exactement la même tuile pour former des familles d'animaux. Donc c'est-à-dire un groupe contigu de tuiles contenant les mêmes animaux qui sera multiplié par le nombre de points d'eau associés à ces animaux-là pour faire un maximum de score. Caldera, ça fonctionne différemment. Vous avez, d'abord, vous avez uniquement, de base, 7 animaux disponibles. Donc ça, c'est la première fois qu'on vous fait ça, c'est qu'on vous fait la mise en place en même temps qu'on fait le stream. On aurait presque pu faire le cadrage en plus en même temps. Non, donc, vous mettez toujours 7 animaux disponibles. Ça va se jouer en 1, 2, 3, 4, 5 manches. Et en bas, le petit twist, c'est que vous avez ce qu'on appelle des jetons météo. Les jetons météo, vous en avez tout un paquet. Vous avez le jeton météo soleil, qui lui est toujours bénéfique et qui se trouve face visible à gauche de votre plateau. Ensuite, vous avez un paquet de jetons météo que vous mélangez et vous les mettez face cachée sur vos jetons météo disponibles. Les jetons météo, qui sont gris, ont toujours un effet négatif sur les animaux que vous allez placer. C'est-à-dire que certaines, à chaque fois que vous aurez, admettons que vous avez la grêle fait fuir les caribous et les loups. Ça veut dire que toutes les tuiles météo qui indiqueront qu'ils font fuir des animaux, c'est-à-dire que si vous avez une tuile avec un animal adjacent qui correspond à la tuile météo, vous retournerez cet animal. Et il comptera pas, quoi. Il comptera pas du tout. Donc moi, je vais remélanger derrière, c'est juste pour vous expliquer. C'est que grosso modo, à chaque début de manche, vous allez mettre un jeton météo. Manche suivante, vous remettez un jeton météo que vous sélectionnez. Vous pouvez tout à fait prendre le soleil si vous voulez, mais vous savez que lui, c'est le seul bénéfique. Et les autres, c'est au pif. Donc dans cette hypothèse-là, si je mets ce jeton météo là, hop, pardon. Vous voyez que c'est, je ne sais pas ce que c'est j'en sais rien, je ne sais pas ce que c'est comme effet météo parce que c'est moche et mal illustré, mais ça doit être du vent. Eh bien, vous voyez que vous avez un truc avec point d'eau, caribou et aigle. Ça veut dire que si moi je poste par exemple une tuile comme celle-ci avec un point d'eau, à la fin de la partie, je serai obligé de la retourner, elle ne comptera plus dans mon décompte, parce que vous voyez que le point d'eau est rayé. Si j'avais par exemple mis cette tuile-là avec un aigle et un bison, eh bien, vous voyez que l'aigle correspond et est adjacent, donc à la fin de la partie, mon aigle serait retourné. Donc il va falloir que vous fassiez super gaffe aux effets météo. Et vous avez également des nuages, donc le tonnerre, grosso modo, fonctionne exactement comme les flammes de Savannah Park. C'est-à-dire que, grosso modo, chaque animal chaque tuile qui ne compte qu'un seul animal à proximité d'un seul nuage sera retourné. C'est-à-dire que lui, admettons, si j'ai un loup solitaire comme ça, et qu'en revanche, j'ai ces bordels-là qui sont deux, là, il n'y a qu'un seul nuage. Ceux-là, ils sont deux, ils n'ont pas peur, ils sont ensemble. Le loup tout seul, il a peur de l'orage.
il sera retourné et ne comptera plus dans le décompte final. Donc vous avez un, deux ou trois nuages, et donc forcément un nuage fait fuir les tuiles qui n'ont qu'un seul animal, deux nuages font fuir les tuiles, uniquement les tuiles qui ont deux animaux exclusivement, et trois nuages font fuir les animaux, les tuiles qui ont trois animaux. C'est grosso modo comme ça, vous avez différents effets évidemment, vous avez grêle, pluie, neige, vent, givre, etc. Mais grosso modo, c'est comme ça que fonctionnent les tuiles météo. Après, derrière ça, pour le positionnement, c'est simple. Vous regardez votre plateau, vous avez différentes zones, hein, c'est pas compliqué. Vous avez le désert, vous avez la forêt, vous avez la montagne, vous avez des geysers, vous avez un cours d'eau et vous avez des chutes d'eau, des cascades. Ici, vous avez une tuile qui représente, c'est ce qu'on appelle les tuiles actions. Les tuiles actions, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est simplement qu'à chaque début de tour, le premier joueur dit loup sur forêt. Donc, madame prendra une tuile qui comprend au moins un loup dans ses animaux disponibles et elle le posera sur une tuile forêt, peu importe laquelle, on s'en fout. Et moi, de mon côté, je suis obligé de prendre une tuile avec un loup. Okay, donc, admettons, je prendrai un loup et en plus de ça, je suis obligé de respecter son prérequis, c'est-à-dire de le placer en forêt. Je peux tout à fait le placer sur le comment dire, qu'il y ait des chutes d'eau ou des rivières dessus n'a absolument aucune importance. Là, dans l'immédiat, quand vous annoncez un terrain, vous devez respecter le terrain et l'animal. Dans l'hypothèse où je n'avais pas de loup, eh bien, admettons, je sais pas pourquoi, pour une raison X ou Y, que ça arrive souvent en partie, vous n'avez pas de loup dans vos animaux disponibles, bah, vous mettez la tuile que vous voulez, mais vous devez toujours respecter le prérequis. Donc là, en l'occurrence, je prendrai mes biquettes et je les mettrai sur une tuile forêt disponible de mon choix. Donc ça marcherait pareil, si je dis bison, désert, ensuite le bon, donc du coup je dis bison, désert, donc madame sera obligée de mettre une tuile qui contient au moins un bison dans le désert. Et ensuite vous avez des tuiles un petit peu particulières, c'est donc la tuile, le geyser. C'est-à-dire que, admettons, vous dites biquette sur geyser, vous pouvez le mettre n'importe, sur n'importe quelle tuile, sur n'importe quelle case adjacente à un geyser. Donc biquette geyser, et ben je peux le mettre ici, ici, ou ici. Encadrer intégralement un geyser, vous ne posez pas d'animaux sur les tuiles geyser, vous permet de scorer plus de. Vous marquez 4 points de victoire par geyser que vous avez intégralement entouré. Ensuite, vous continuez comme ça avec les cascades, les cascades exactement comme les geysers, sauf que vous devez poser l'animal indiqué sur une de vos cascades disponibles, peu importe qu'elle soit dans la montagne, qu'elle soit. Vous en foutez, du moment que vous posez l'animal en question sur une cascade. Pareil pour le cours d'eau, vous pouvez poser n'importe, sur n'importe quel biome du moment qu'il se trouve sur un cours d'eau. Et ensuite, vous avez le point d'eau, ici. Vous pouvez le poser absolument n'importe où, que ce soit sur une rivière, une cascade, dans la montagne, dans la forêt, dans le désert, vous en foutez, du moment que c'est une tuile qui contient au moins un point d'eau. Un point d'eau, ouais. Vous allez jouer comme ça pendant 5 manches, jusqu'à ce que vous jouiez votre dernière tuile. Une fois que vous avez joué votre dernière tuile, vous faites un décompte final. Et donc, ce sont les groupes d'animaux. C'est-à-dire que grosso modo, à la fin, pour prendre un exemple très con, c'est que... Le plus gros groupe d'animaux avec des lacs... C'est que, grosso modo, ici, vous voyez que j'ai une biquette, un aigle. Une biquette et un aigle avec un point d'eau. Eh bien, si je regarde toutes les tuiles adjacentes, je vois qu'ici, j'ai deux aigles, parce que donc j'en ai un là et un là. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4 biquettes qui sont donc contiguës, enfin adjacentes, quoi. C'est un flot continu d'une tuile à l'autre. Et donc, ça sera le nombre de biquettes multiplié par le nombre de points d'eau. Donc là, admettons, ça me ferait juste un seul point d'eau. Donc, je multiplierais 4 biquettes par 4, ça me ferait 1. Si toutefois, j'avais un deuxième point d'eau ici avec une biquette, ça me ferait une biquette plus le point d'eau, plus 3, donc deuxième biquette, 3, 4, 5. Et je multiplierais par 2, ça me ferait 10 points de victoire pour les biquettes. Et vous allez faire ça pour toutes les familles d'animaux. Dans le meilleur des cas. Pardon, dans le meilleur des cas. Donc vous voyez ça, on garde le même principe de scoring que Savannah Parks, mais vous avez un petit peu plus de contrôle sur ce que vous faites quand même. Parce qu'il y a des moments où, comment dire, vous n'êtes pas obligé strictement de prendre la tuile que vous impose l'autre. Vous êtes par contre obligé de prendre un type d'animal, mais parfois ça vous arrange. Alors que c'est rare que dans Savannah Parks, les choses vous arrangent. Sauf quand la personne ne place pas la bonne tuile. Oui, j'avais fait une petite connerie sur... T'avais fait une connerie, il a fallu la rattraper, quoi. Et on dit bonsoir à Ririkou. Alors attends, je remonte. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Indice pour ceux qui n'ont pas compris le jeu de mots, pensez au vieux Miroslav. Oui, merci. Tout à fait. Salut Ririkou, comment tu vas? Salut Radical. Salut Radical. Comment ça va? Comment vas-tu? Bon, mon jeu de mots ne fait pas fureur, je suis très déçu. Je m'attendais à festival de rire. J'étais pas convaincu par le truc. Moi, t'as pouffé, t'as pouffé. Moi, si tu pouffes, je suis content. Moi, c'était plus Chaldera Park, quoi. Chaldera Park, ouais. Bah ouais. Ouais. Et ça, c'est quand on jouera à Boop, on trouvera des jeux de mots avec des chats. Tout à fait. Boop, boop, bidou. Boop, boop.
Bon, bah écoute, pareillement, bien content que tu sois là, et donc on va Mais commencer à jouer, hein, parce qu'on va pas se faire chier. Alors avant même de commencer la partie, vous prenez une tuile météo de votre choix. Ce qu'il faut savoir, oui, c'est que le soleil, c'est le seul qui est face visible, mais donc le soleil rajoute 1 à la famille d'animaux adjacentes. Donc essayez d'avoir, faire en sorte c'est que le votre bonus, solaire quoi. touche plusieurs types d'animaux. Donc moi, je vais prendre une première tuile. Vous prenez une première tuile météo, qu'elle soit face visible ou face cachée. Donc les autres tuiles météo retournent dans la boîte. Hein. Vous ne vous en servez pas, parce que vous ne savez jamais précisément quel genre de météo vous allez avoir. Et quand vous mettez la première, les autres se mettront sur leurs emplacements respectifs, mais dans le Dans sens le sens horaire. horaire. Le premier, vous le mettez où vous voulez. C'est-à-dire que si j'ai envie de le mettre là, je le mets là, je m'en fous. Hein. Donc admettons, je vais commencer par le mettre ici, moi. Peu importe. Et donc voilà. Donc ça, c'est le premier qu'on place. Et maintenant, la première manche commence. Et donc là, on remet un jeton météo et on est obligé de mettre dans le prochain espace de emplacement météo Ah ouais? disponible dans le sens horaire. Mais oui, tu m'as fait le même coup encore hier, tu m'as posé la question. Ouais, donc on en place deux dès le premier. Dès le premier tour. En fait, le premier, il y a un placement de mise en place et ensuite premier tour et tu commences toujours par ça. Boop, ça va trop bien avec votre chaîne, trop bien. Mais oui, Mais oui, mais c'est. Je veux mais. dire, s'il y a bien une chaîne Où il Twitch faut où il ce faut jeu, ce jeu, c'est c'est la bien nôtre, bordel. ici. Les chats, ils sont sur Donc le il logo, est. les Ouais, waiting ouais. screens pendant le stream. De toute façon, la boupe est précommandée. C'est précommandé, de toute Donc façon. ça devrait arriver d'ici la fin de semaine, parce Si qu'il sort Philibert le fait bien le taf, 28. ouais. Il Ouais. sort le 28, donc Si j'espère qu'on aura le Philibert 28. fait ça bien, on devrait l'avoir normalement en fin de semaine. Mais oui, on est la chaîne où il faut le jeu Je boupe. boupe. On va se régaler à vous le streamer celui-là. Hein. Ouais. Radical, je vois que l'éditeur initial n'a pas embauché d'illustrateur entre Savannah Ah, et ça c'est celui-ci. Je clair. suis complètement d'accord. C'est pas très joli. Hein. Si t'as pas boupe, t'es pas un joueur, Ouais, c'est comme on ce dit qu'on par disait ici. là. Bah, Mais c'est ce qu'on disait au c'était là au dernier dernier stream. stream, ouais. Ouais, tout à fait, exactement. De toute façon, Si c'est. t'as pas boupe, Tu t'as sais pas. raté Tu connais ton. rien aux Bah jeux de non. société. C'est tout. Mais donc, ouais, non, non, vraiment, l'illustration, c'est. Bon, c'est basique, Ça hein. fait pas envie. Ça fait pas Bon, envie. ça va. Non, non, regarde les montagnes, on dirait. Enfin, ça fait très enfantin, quoi. Oui, C'est bah. très enfantin. Tu fais mieux? Ah non, mais moi je dis pas que je suis illustrateur par contre. Voilà, je dis juste ça. Bah, c'est peut-être une Mais c'est stagiaire peut-être. Mais illustratrice, je tu ne vois. pense pas parce qu'elle a quand même. Anya est illustratrice, née dans la région du Rhône, de la Rhône. Enfin, elle vit à Hambourg, en Allemagne. Après, voilà, elle est allemande. Enfin, Ah bah voilà, c'est ça. voilà, oui. C'est les jeux allemands. Puis ça, c'est sur Paint, quoi, tu vois, pas Mais de budget. non, mais ça se trouve, je vais pas critiquer non plus. Je suis persuadé que c'est une nana qui s'est parfaitement bien dessinée. Ah oui, Sauf que là, juste c'était il voulu, y a des quoi. cahiers des charges. Il est possible qu'on a dit tu Ouais. me fais enfantin très coloré avec des lignes très franches. Pas spécialement enfantin, mais classique, quoi. Enfin, basique. Basique, quoi. Même pas, et très criard. Tu me fais très criard, s'il te plaît. Bon, c'est pas trop criard. Tu peux quand même. Pas très criard, hein. Quoi Quand faire même. criard? Salut Steph68, bonjour. Ensuite, c'est dans la lignée de Savannah Park, Tout à puis ça. fait. Le jeu fait le taf dans pour la famille. Donc, Tout à fait. Mais nous, on aime même beaucoup, avis, hein. Steph. Ouais. Exactement, même avis. Tête 2, avec mon bon cadeau de 100 balles, Boop va finir dans le panier. Ah bah oui, Ah, cool. j'espère Cool, bien, cool, ça. cool. Et oui, bienvenue chez nous, Steph, en tout cas. Eh oui, bienvenue chez nous. Et c'est dans la lignée de Savannah Park, c'est même pas d'ailleurs dans la lignée. Moi, je considère presque ça comme une variante en boîte, tu vois, de Savannah, quoi. C'est vrai que c'est pas. Comment dire, c'est une. Bah c'est un autre jeu, hein. C'est pas tout à fait un autre. Enfin, si tu veux, tu as quand même un socle, tu sais, ça fait Oui. très extension. Tu Oui. vois ce que je veux dire? C'est pour ça que ça s'appelle parc, hein. Oui, mais tout à fait. C'est pour ça que. Oui, personne ne conteste ça, effectivement. Savannah 2.0, oui, 2.0, ça pourrait être oui. ça, C'est exactement. comme Comme les les Azul, Azul, bah oui, tout tout à à fait. fait. Il y a tout un tas de jeux. C'est juste Bah, qu'ils se sont fait un regarde, kiff nous, on à. kiffe toute la gamme Tréfuté, par exemple, en Roll and Bah Write. oui, c'est la même C'est chose, sauf que toujours c'est la une même chose, variante. mais la Ouais. variante Ouais. apporte toujours un petit plaisir en plus, ou un plaisir Oui, différent, quoi. tout à fait. Boop devrait être un cadeau de Noël. L'anniversaire de madame était hier. Ah merde! Ah. Ah. Ah putain, qu'est-ce que tu lui as offert pour son anniversaire à Tu madame? lui as fait à manger? J'espère. Avec ta galanterie. Légendaire. Eh ben Little Seb, moi j'ai tendance à dire aussi que je le préfère à Savannah. Bah, parce qu'il est un petit peu plus. Plus de Oui, contrôle. plus de Un peu contrôle, plus ouais. de contrôle quand même sur ce qui se passe. Oh. Bon, on va se faire un petit Chifoumix, hein. Pas le tout. Je suis la petite marmotte. Oh. Ça fait ça la marmotte. Ça siffle une marmotte. Ça siffle une marmotte. Donc je suis la marmotte, donc je suis le premier joueur. Donc le premier joueur, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Et bah,
je choisis un des animaux ou un point d'eau. D'ailleurs, oui, petite règle, hein, le point d'eau, vous ne pouvez pas dire point d'eau sur cascade. Le point d'eau, vous le voyez, c'est très bien mis sur le plateau, ne peut être posé que sur un biome aléatoire. Bon, moi, je sais jamais par où commencer dans ce genre de jeu, de toute façon. À part que je vois qu'ici, ma tuile météo là, me ferait retourner des aigles et celle-ci aussi. Par conséquent, je sens que mes aigles, je vais plutôt les foutre à droite pour éviter de m'engager sur les trucs. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dire biquette sur forêt. Donc, biquette sur forêt. Donc, moi, j'ai une tuile avec une biquette juste là. Mais vous voyez pas, évidemment. Parce qu'avec le petit con qui a niqué le cadre. Oh là 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 là, t'es sûr ça de bouge toi, là. Ah, mais putain, ça bouge partout. Bon, bref, voilà ce que j'aurais dû faire tout de suite, me faire chier. Voilà, j'ai une tuile avec un point d'eau, une biquette et un aigle. On s'en fout de l'aigle. L'essentiel, c'est que j'ai au moins un animal de type que j'ai annoncé. Donc, j'ai annoncé biquette sur forêt. Donc là, j'ai une biquette, un point d'eau, un aigle. Je vais mettre la biquette ici, avec son point d'eau. Donc, c'est une case forêt. J'aurais tout à fait pu la mettre ici. Je m'en fous, en fait, du moment quand j'annonce forêt, vous pouvez tout à fait recouvrir les rivières ou les points d'eau, ce qui peut avoir d'ailleurs un intérêt, parce que recouvrir toutes les rivières, enfin, toute la rivière, ou recouvrir toutes les cascades, vous rapporte également des points de victoire supplémentaires. D'ailleurs, je vais peut-être faire ça. Donc, je vais la laisser ici. Mais le problème, c'est que vous ne savez pas encore la météo qui va arriver là. Et imaginez que je mets des biquettes ici, et que mon jeton météo, ici, fait fuir les biquettes. Eh ben, du coup, je me perdrai énormément de points à la fin de partie. Donc, c'est à ça de faire, à vous de faire attention. Tu m'as pas arrangé là. Non, le chat. Bon, c'est le premier tour. Bah, oui. Va dans la boîte, là. Mais là, j'ai un truc où sur l'est, je peux pas mettre de plan d'eau, ni d'aigle, ni d'élan. Et au nord, pas d'élan, pas de loup. Ah oui. Et la seule tuile que j'ai, c'est aigle, loup, biquette, point d'eau. Ah merde. Voilà. Ah oui, effectivement, c'est donc, pas ouf. Je lui ai offert un bouquin d'une Taïwanaise qui raconte sa vie entre Taïwan et la France et je lui ai récupéré récolte. Rigolez pas, elle adore le visuel. Je sais même pas ce que c'est. J'ai ramené le champagne et ma poutre, je sais qu'elle a été gâtée. Oh, ce grand... ce grand romantique, quand même. Oh là là là. Et ce grand naïf de Little Seb. Et c'est sa galanterie, légendaire. Ce grand naïf de Little Seb, bah, comment ça, tu es menuisier? Bah, tu es charpentier. Peut-être qu'il est bien charpenté. Bah, a priori, ça a l'air d'avoir plus à madame, en tout cas. C'est bien, on part d'un jeu familial, voilà, ça exactement. Finit sur des poutres. Mais et ça, c'est problème. Pas de ma faute. C'est parce hein. que c'est les jeux où t'as pas trop besoin de te concentrer sur les règles. Regarde, on met 32 minutes, c'est-à-dire qu'on a commencé la partie des Radwood Star avec l'explication plutôt, de règles ouais. au même moment. 4000 sur moi. Putain, 4000 sur toi. Merci pour la prédiction, Megumi. Et bah, pour l'instant, j'ai toujours gagné. Non. On a fait une égalité parfaite. On a fait une égalité parfaite à la première. C'est-à-dire que même ce qui te permet de départager les égalités, on avait exactement le même truc. C'est-à-dire que égalité parfaite, et hier, elle a gagné bien. Et je perds toujours à ces jeux-là. Donc c'est plutôt un bon move. Attends, radical. Elle part pas la chkoumoune, hein, parce que quand on dit ça, en général... Tu perds, c'est vrai. Je dis rien. Très bon move radical, je pense. Je ne dis rien. Donc voilà, j'ai placé ma biquette. Ce que vous faites, c'est qu'à chaque fois, vous faites un petit refill, hein, c'est-à-dire que vous avez toujours cet animal disponible devant vous. Voilà. Putain, ça pue, ah, tu crois en moi, Eriko. Merci. Merci, j'espère de ne pas décevoir. T'as 4000 one shot, c'est beaucoup. Ouais, 87, je crois, en ta victoire ce soir. Ouh. Ah, bah écoutez. Je suis emmerdé. C'est chiant ce truc-là. J'ai voté 87 puisqu'Hélène va gagner aisément. Ça, c'est pas dit. Hein. Là, vu comment je commence la partie, ça commence mal. Hein. Mais non. Bon, je vais être obligé de faire vous dire, ça. Voilà, pour vous donner une idée, hier, on a fait 151. La première partie, 151 ex aequo. Et la deuxième, madame 145, moi 122. Pas ouf. Hein. Je vais dire... bah non, t'as déjà mis en forêt, je suis con. Loup sur rivière. Donc je dois moi de mon côté prendre forcément une tuile où il y a un loup et le mettre sur n'importe quelle case qui contient une rivière. C'est-à-dire que là je me fous complètement du biome. L'essentiel c'est que je respecte le prérequis d'animal et ensuite de positionnement. Et en l'occurrence c'est de la rivière. Donc vous voyez que sur mon plateau actuellement, j'ai deux tuiles, trois tuiles qui contiennent un loup. J'ai un loup solitaire, un loup avec un bison sur un point d'eau ou un loup et un ours.
Donc là, du coup, il faut que je me décide de savoir comment, où je vais commencer à mettre ces premières familles d'animaux. Parce que pour le moment, les seuls que j'ai placés, c'est de la biquette et de l'aigle. Tandis que là, c'est du loup. Donc je ne sais pas encore trop où je vais les mettre. Et je pense que je vais les mettre par ici, moi. Donc je vais mettre un point d'eau. Bison. Ah non, parce que les bisons, ils sont là. Je vais mettre. Si je vais mettre un point d'eau, bison et loup. Là. Sur la rivière, du coup. Donc là, moi, je le mets dans le désert, je le mets ici. Un loup solitaire, c'est mieux qu'un ver. Tout à fait. C'est mieux qu'un ver, oui, tu m'étonnes. Effectivement, oui, c'est oui. mieux qu'un ver. Qui se dit tapeworm en anglais. Voilà, j'avais appris ça en traduisant des paroles de système au fait d'armes. Des gamins. Voilà, donc c'est à moi maintenant de choisir un truc. Donc maintenant, j'aimerais bien commencer à faire des familles. Je vois que j'ai trois biquettes ici. Le seul problème, c'est que j'ai déjà placé la biquette là. Donc mes trois biquettes, je ne vais pas pouvoir les placer pendant ce tour. Donc vu que j'ai un point d'eau avec un aigle là, je vais commencer à placer des aigles. Et ce que je vois, c'est que j'ai déjà placé, j'aimerais bien en mettre en forêt. Mais non, parce que je peux aller sur le désert. Donc je prends aigle, désert. Donc là, je prends la tuile qui contient un aigle juste là. Et je la mets sur le biome désert de mon choix. Ce qui est donc une connerie, je pense, d'avoir fait ça. Voilà. Récolte, c'est un vieux jeu du V. Rosenberg. Ah bah oui, donc non mais tu peux t'arrêter là. Tu me dis jeu allemand. Bon déjà, je sais que ça va pas être joli, mais récolte et UV Rosenberg. Alors là, tu sais que t'as dans le chum, c'est champion. Alors qu'à chaque fois, c'est des super jeux en plus les jeux du V. Rosenberg. Où tu cultives et récoltes des légumes en Islande. Ça valait une bouchée de pain. Madame déteste les cadeaux chers. Écoute. Bon, je filme, mais je vous écoute. Comment ça, on s'en fout? Tu fais un Dota, mon jeu préféré. Ah. Et tu parles russe, c'est normal. Non, bah très bien, Radical. Bah, bon Dota, et puis bah, n'hésite pas à intervenir. Hein, si toutefois, tu as des interventions à faire, tu as revendu récolte, Little Seb. Pourquoi? Parce qu'il était trop moche. Ah, bon. J'étais déjà à fond. Ah, oh, Pandy Panda! Quoi, Pandy T'as Panda? fait tomber Pandy Ah oui, bah Panda. écoute. Pas mieux. Oui, bah attends, déjà, j'essaie de me décider avec toutes ces conneries là. Putain. Vu qu'elle aime le visuel du jeu, vous imaginez comment je dois le prendre? Ah, bah ça, après. Bon, je sais pas quoi faire là, parce qu'avec ces tuiles de crotte là. Parce que là, en gros, j'ai une tuile avec un aigle tout seul, ou une tuile avec un aigle et un caribou. Le problème, c'est que je peux pas. Là, j'ai mis mon plan d'eau avec l'aigle. Au nord, je peux pas mettre de caribou. Et à l'est, je peux pas mettre ni de caribou ni d'aigle. Du coup, à part que je parte sur le désert. Je vais partir. Ah non, il faut que je parte au nord avec mon aigle. Je vais partir au. Ah bah non, il m'a dit désert, j'ai pas le choix. Putain. Oui, c'est désert. Mais je vais partir par là. Oh, mon panda. Voilà. Un petit panda de madame. Qui vient direct du zoo de Beauval. Mon chouchou, en plus il s'accroche. Il En fait, il s'accroche s'accroche au sur le boulet, en ring, fait. il s'accroche sur le ring Donc, de du coup, il est notre accroché sur le ring. le ring Ça, de il est ce. toujours avec nous. Donc, si vous le voyez, pour. Donc, c'est Pandy Panda. Pour les Pandy plus vieux, pour les plus vieux Panda. d'entre nous. Pandy Panda. Panda. Oui, Vu ça me comme pose le un peu. visuel du jeu, vous imaginez qu'on doit le prendre. Mais non, 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 je suis sûr qu'autrement, elle a d'excellents goûts, madame. Je peux le comprendre, mais bon, Boop est arrivé trop tard. Oui. Petit ourson de Chine. Tout à fait. Oui, tout à fait. Bon, ça, moi. Ah bah Parce oui, que depuis tout à l'heure, oui. là c'est que. Bah oui, mais je le disais pourquoi j'arrivais pas à choisir mes tuiles. Parce que là, clairement, entre mes deux tuiles météo merdiques. C'est quoi ces trucs, les goumis? Ah, c'est les petits T-Rex! Non. Ah, elle est morte, Chantal Goya? Non, Non. c'est juste que c'est elle qui Ah, chantait d'accord. Pandy Oui, mais Panda. c'est, si tu nous regardes, on t'aime là où tu es. Bah, elle est sûrement soit en Chine ou au Mais non, Japon Chantal ou. Goya, c'est pas Mireille Mathieu!
Et bah Chantal Goya, elle est pas morte, elle a fait les tournées aussi. Je crois pas qu'elle ait tourné à l'étranger, Chantal Goya, elle est pas culte à l'étranger. Bah elle chantait tout ce qui était Club Dorothée et tout Oui, ça, mais je donc sais qui est Chantal Goya, mais Club Dorothée, c'est la France, ça va pas ailleurs. Ça en Belgique, quoi. oui, Mais mais ça peut-être se que trouve elle Chantal chante Goya. traduit. Si, Si, je je pense pense aussi. aussi. Ouais, mais je pense qu'elle a fait le tour du monde, hein. Et ça veut dire, tu penses qu'elle est Elle morte? traduisait. Mais non, elle est pas morte. Ah, si, je pense. Ah, tu veux dire, si, je pense, tu penses qu'elle est super. Actuellement, elle est à Mais tu vois, l'EHPAD. c'est une blague ou pas? Non, c'est pas une macropaskinie. Mais Elle est pas à elle est pas à l'EHPAD. l'EHPAD. Mais elle est pas à l'EHPAD. Je sais pas, elle est pas toute jeune, Mais elle Chantal fait encore Goya. des concerts. Ah ouais? Mais oui, elle a tourné. Bah oui. Elle a tourné à l'international, je sais pas. Elle doit plus savoir où elle est elle-même. Bon, elle est perdue dans un jeu. 82 ans. Ah ouais, d'accord. Non, mais c'est marrant, je la voyais peut-être un peu plus âgée. Enfin bon, elle est pas toute jeune non plus. À 82 ans, c'est déjà pas mal. Ah, c'est pas mal, tout le monde va pas aussi loin. Hein. Ouais. Elle est pas Elle fait dit du panda. panda. C'est mal ça. La pauvre. Elle, oh, pauvre Chantal, moi je l'aime bien, moi, en plus. Bon. Elle est pas dit panda. Toutes ces Elle est très très conneries-là. bonne celle-là. Chantal Goya était ambassadrice de Disney, donc elle a dû tourner partout. Oui, ah Ah bah, bah dans ce cas-là, oui. effectivement, oui, ambassadrice Bah oui, Disney, parce qu'elle ouais. chantait à Disney et tout. Oui, 82. Putain, j'ai j'ai passé passé la moitié en la moitié. scan. Bah, il en est pas loin non plus, hein. Ah, moi, je suis virtuellement, je suis à 78, moi, si je double mon âge. Je fais deux fois ce Oui. que j'ai fait là. Ouais. J'arriverai jusqu'à ça. C'est pas mal, 78. C'est pas mal. Bah non, même plus. T'as fait 39, 78. Ouais, je vais dire. Je vais dire. Pas ouf. Hein. Ours en montagne. Ours en montagne, qu'elle a dit madame. Ouais. Bah, ça marche pas. Oui, bah moi tes trucs ça m'arrangeait pas depuis tout à l'heure. Hein, donc. Donc là, vous voyez, moi j'ai pris une tuile qui contient un ours, un élan, un bison et un point d'eau. Mais du moment qu'il y a un ours, bah, je l'ai mis en montagne, donc c'est good pour moi. Ok. On fait le refill. N'oubliez pas de le faire parce qu'il faut vraiment avoir plein d'animaux disponibles, hein, c'est quand même mieux. Je vais dire. Elle a encore des concerts prévus en fin d'année, elle a la forme. Eh, Ah tu, j'avais putain, ouais, dit! d'accord, Bah ok, ah, ouais! bon, bien, On me bien, bien. croit pas. Non, non, mais je sais pas, je savais pas, j'ai un doute. Je vais dire. Donc il reste quoi? Il reste élan, bison. C'est là qu'on voit qu'on vieillit, c'est quand les chanteurs, les acteurs ou autres personnalités qui ont marqué ton enfance ou ton Ah. adolescence tombent progressivement comme des Ah bah mouches. oui, Ah bah bah ça, là, ouais, oui. c'est dur quoi. Là, il y a eu Donald Sutherland qui est Ouais. mort. Après, il y a eu toute une année où il y a eu David Bowie. Il y a eu. Enfin, c'est chiant quoi. Il y a des grands noms qui commencent Ah, c'est ça, à. ouais. Moi, c'est quand Christopher Lloyd va mourir, ça va me faire chier, putain. Doc quoi. Ouais. Moi, ce qui me ferait chier, ce sera Clint Eastwood. Ah, Clint Eastwood aussi. Ah bah lui, je pense qu'il est pas Et il est loin. pas Hein. Il est pas loin. loin, parce qu'il a genre 93 ans. Ouais, il est super vieux, Clint Eastwood. Ils disent tout, ça fera chier. Hein. Ouais. Mais bon, ça va, on a son fils. Ouais. Qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Bon, c'est pas mal. Hein. Qui est pas mal. Bon, mais bel homme, le fils est tout. Ouais. Ah oui, D'accord. Miyamoto, oui. Ouais. Oh. Ouais. Ah oui, ça va faire chier, ça aussi, oui. Ouais. Après, tu pleureras toute seule. Oh, il y aura un hommage national, hein, si tu veux mon avis. Un hommage mondial pour Miyamoto. Hein. Ah putain, ouais, Renaud sur scène, ça me fait un peu de peine hein, quand même. Hein. Ouais. Mais Ah, bon, non. Belmondo. Ah oui, bah oui, Ouais, ça a dû te faire bizarre, ouais. ouais, Ça a ouais. fait chier mon père aussi. Bébelle. Moi, je crois que les miens, ils sont foutus. Ça n'était pas Belmondo à la maison. Le guignolo. Le Guignolo. guignolo. Bah oui. Bon, on va pas avancer avec, ça va être parti Mais papotage. non, mais c'est horrible quand tu fais des petits jeux Quand tu fais comme des petits jeux comme ça, tu ça. vas voir, on va faire plein de conneries, je vais me faire engueuler par mes goumis, mais t'es pas concentré sur les petits jeux 87. Voilà. Bon, du coup, je sais même plus ce que je voulais faire, j'avais un truc en tête. Le pire, c'est que Ah. Goya ressemble de plus en plus à Renaud. C'est vrai. On n'en Oui, est pas loin. oh non, quand même pas. Bah, en tout Ah, la cas. coupe de cheveux, des fois. Oh, ça dit, elle est plus jeune, ouais, elle est plus jeune que Renault. Elle est plus vieille que Renault. Oui, elle est plus vieille que Renaud, Mais ouais. bon, elle a moins de Ricard Elle dans est le moins cornet, quoi. ramassée, quoi. Elle a moins. Bah, ouais. Je pense qu'elle n'a pas eu la même hygiène de vie non plus, Non. quoi. Bah, je Mais quoi dis. qu'on ne sait pas. Hein.
Ah, ça a même réussi à tuer l'émi, hein. Oui, c'est Je veux vrai. dire, à un moment donné, si tu bois 1 litre de Ricard par jour, 60 Bah oui, mais clopes. du coup, Renaud tient plus que l'émi, quoi. Renaud, ouais, Renaud tient plus que l'émi, ouais. Et en Putain, c'est plus, il fou. s'est marié. Et il fume à souhaiter, il fume 60 clopes par jour, le mec. Tu vois comment il Et fait, il pourrait être pendant des increvable, années, quoi. il disait vraiment que c'était à peu près 1 litre de Ricard par jour. Putain, 87, ça a fait mon père, le coup de vieux que tu mets. Ça fait mon père, oui, bah oui, mais ça fait chier mon père, oui, bah après, mon père est quand même bien plus vieux que toi, hein. Il est de 56, mon père, Ouais. donc voilà. Mais ouais, du coup, les films avec Belmondo, quand il avait une vingtaine d'années, il aimait bien, quoi. Bref, je disais, même si mon père, c'est plus les James Bond et les westerns, quand même, tu vois, c'est les vieux. Bref, Bison. Et bah non. Putain. Parce que j'allais dire Bison Geyser, mais non. Je vais mettre un bison dans le désert, mais le désert est déjà pris. Donc on va voir. Je vais voir avec les élans. Élan. Putain, bah non. Bon bah cours d'eau. Donc là, quand vous faites un cours d'eau, vous prenez, vous êtes obligé de prendre Un lac, là. Enfin, un un plan lac. d'eau, Oui, ouais, plan d'eau. un point d'eau, pardon. Là où s'abreuvent les animaux, c'est vos multiplicateurs, vous savez, par famille d'animaux. Donc là, vous êtes obligé de prendre une tuile où il y a un point d'eau. Si vous n'avez pas de point d'eau disponible, comme ça t'est arrivé hier. Eh bien, vous prenez la tuile que vous voulez, et vu qu'il n'y a pas de prérequis de biome ou de spécificité, vous pouvez le mettre où vous voulez. Ce qui parfois peut vous arranger, parce que du coup, ça vous fait une tuile joker que vous pouvez mettre où vous voulez. Donc, moi, je prends mon petit loup, que je mets là. Je vais le mettre ici. Ce qui va lui permettre, ce qui me fait déjà 2 points d'eau pour les loups. C'est pas trop mal. Moi, ma belle-mère a toujours voulu ressembler à Brigitte Bardot à l'époque. Bah, Ah, aujourd'hui, elle quel a réussi. bâtard! C'était juste une question de patience en Là, fait. les Ah, les belles belles-mères, ouais, ça doches! y est, Ben hein, oui! ça y est. On est parti sur ce terrain-là. C'est vraiment salaud, ça va, content. C'est très drôle. Je trouve ça assez Non, drôle. mais c'est très drôle. C'est salaud, mais c'est très drôle. Vrai que. Punaise! Non, elle est bonne quand même. Mais du coup, on veut une preuve à l'appui. Bah, moi j'ai l'image de Bardot, ouais, j'ai bien. Ah, voilà, elle a un peu ramassé. Mais Elle Bardot, était magnifique, elle était magnifique et elle fait des choses pour les animaux. Ouais, enfin, elle est un peu cinglée quand même. Hein. Je rappelle que J'ai Brigitte. pas dit qu'elle était pas Te rappelle que, cinglée. je te rappelle que Brigitte Bardot, dans sa jeunesse, elle était dans les corridas à faire moins au torero comme ça, à J'ai cause jamais, j'ai d'animal. pas dit qu'elle était pas cinglée. J'ai juste dit qu'elle faisait la Oui, protection par contre, des elle est très animaux. engagée, oui, Elle est très effectivement. engagée dans la protection animale. Mmh. Bon. Ce jeu est pour elle. Voilà, c'est pour toi, Brigitte. Et belle maman de Et belle maman de Steph, du coup. Steph. Est-ce qu'elle s'appelle Brigitte, belle maman aussi, ou. Histoire de savoir, quoi. Oui, c'est à moi. Un peu, elle a pris 44 tonnes. Un peu. Ah bah elle a vieilli, quoi. Elle est vieille maintenant, Brigitte Bardot. Ouais, j'aimerais bien voir nos tronches à leur âge, hein, Oui, quand c'est même. clair. Je pense que. C'est clair, on Bon. est. Alors. Bah, qu'est-ce qu'elle va faire, mes mères? Donc c'était loup. Non, Oui, point non, d'eau. ça c'est bon. Point d'eau, t'as joué, donc c'est à toi de Oui, donc jouer. c'est à moi. C'était Poutrave, oui, tout à fait, tête de. Oui, Quelle élégance. c'était Poutrable. On connaît ton Oh là là. élégance. Ah oui, non, mais. Tout à fait. Ta galanterie. Bah, je vais dire Bison Cascade. Eh bah ça m'arrange pas non plus. Ah oh, c'est que de la merde hein. Oui, bah, tu m'arrangeais pas depuis tout à l'heure non plus. Donc. Bison cascade quoi. Oh t'es relou. Oui. Mais. Ça te pose un problème? Mais. D'accord. Parce que les cascades elles sont toutes loin et mes bisons ils sont au milieu moi. Enfin si j'ai un truc qui ressemble, ok. Bon. Je découvre un poète ce soir. Ah oui, un grand Y poète. a prescription là. Il y a Hein. prescription. Mais on est tous un peu poètes Oh, au un peu poète. fond, mais bon, ça dépend de quel type de poésie, quoi. On n'est pas sur du Prévert. Bon, bah du coup, il reste forcément qu'un seul truc. Donc, ça Ouais. sera un élan à mettre sur un geyser. C'est pas ouf. Hein. Bah, moi non plus. Putain, c'est une catastrophe, moi, cette partie. Faut comme toutes les parties que je fais. De toute façon. Bon, je vais rameuter les élans par là. Parce que j'ai pas le droit de les mettre ici. Putain, et ces deux tuiles météo où j'ai du l'élan partout, ça m'a vraiment plombé le truc, hein. Ok. Poète charpentier, ouais, c'est ça. Pocha, oui. Donc vous voyez, c'est la fin de la manche. Et ben, c'est simple, hein, pour la manche suivante, vous remettez tous les jetons action comme ça. Donc il y a uniquement le jeton point d'eau qui doit rester à droite parce que lui, de toute façon, il va toujours quand même en droit. Et ensuite, vous faites passer la marmotte
aux joueurs de votre dans le sens horaire et bah du coup c'est madame qui commence à annoncer météo. Et une nouvelle tune météo, tout à fait. Et putain, voilà. Alors, ah non, j'ai rien dit, pardon. Bon. Gratos, en fait, je croyais que ma thune météo, je devais la mettre là. Et donc, c'était un orage. Donc, c'est vrai que ça, j'étais sûr qu'à la fin, celui-ci serait retourné. Mais il s'avère que non, en fait, elle est là, la thune météo. Donc, putain, ça va. Mais quelle horreur, ce truc. Ah, c'est pourri, encore. Hein. J'ai toutes les interdictions. Point d'eau, biguette, bison dans le sud, quoi. Bah, heureusement que j'ai pas mis mon bison pareil et que je l'ai fait monter au nord. Hein, parce que... Par contre, j'avais hésité à mettre mon point d'eau là. T'as bien fait de pas le mettre. Bah, putain, parce que franchement, par contre, te bouffer une tuile. Enfin, ne mettez pas vos points d'eau à côté des trucs météo. C'est trop risqué de perdre un multiplicateur. En fait, les bords de vos tuiles météo, faut les remplir en dernier. Parce que même quand t'as genre un orage ou deux ou trois, mais que t'as mis. Moi, c'est pour ça, là. Vous voyez, là, j'ai juste commencé à remplir autour quand c'était dispo. Mais enfin même là tu vas voir je vais me prendre deux orages le sang gros comme une baraque et là du coup j'ai toujours pas rempli autour parce que je sens que ça va c'est très mauvais hein. Coucou Doink Pool, comment ça va? Salut Doink. Alors j'ai l'impression qu'elles sont bien les couleurs de la webcam là. Moi j'ai rien changé. Non, ok. Donc là je peux pas mettre des longs, là je peux pas en mettre non plus. Élan. Désert. Bon bah moi j'ai pas d'élan dans mes animaux disponibles. Donc je peux prendre n'importe quel animal. Et par contre il faut que je le mette dans le désert. Changer. Bon, allez, vas-y. Rollback radical, reviens de Dota, il y a rollback de madame. Rollback. Bon, c'est toujours de l'élan. Hein. Élan. Ah. Oh. La galère. La galère. Ou alors je fais le loup. Mais ouais, non, mais je peux pas le mettre, c'est un plan d'eau. Putain de ta mère. Non. Je dis bison, forêt. Pas de rollback sur cette chaîne, c'est bien connu. Surtout pas de ma part. Ça doit arriver une fois l'an. Bison, forêt. T'en foutrais des bisons, forêt. Voilà. Ouais, écoute, je fais ce que je peux. Et merci beaucoup à Bot Betsy. À Bot, ça doit être un bot, non? Je sais pas, on va voir. Mais non, il follow pas les bots. Donc en tout cas, si tu existes vraiment, Betsy. Merci pour ton follow, Bot Betsy. Et si tu as un bot, eh ben, tu seras sans doute ban dans pas longtemps. Vous jouez à pyramide en deux briques. Élan non, désert, faut avoir la ref. Mais on a Patrice Laffont avec Pupita. On a la ref. Il était fort le petit mec avec bouclé là. Ah oui, Laurent comment il s'appelait chose. Laurent... Ouais, le mec était imbattable. Ah ouais, quoi. Et moi, ce que balèze. Je kiffais, c'était voir le truc se remplir d'eau. Ouais, oui. Mais c'est super dur. À la fin, avec la super pyramide là. Et sachez-le, on avait le jeu pyramide à la maison et on y jouait avec mes parents, mais vu qu'on était trop petits, bah mes parents gagnaient tout le temps. Bah, ouais. Non, tu n'es pas un bot, t'es pas bienvenue à toi, Betsy. Bienvenue à toi, Betsy. Mais ouais, pyramide. Installe-toi ouais. confortablement, bienvenue sur cette chaîne et merci pour ton follow, c'est cool. Merci. Après, Laurent Broumed. Mais en plus ça, il n'y a pas un truc comme ça, c'était pas Laurent Brunel. Non, Broumed. C'est vraiment Broumed. Oh merde. C'est vrai. Mais en merde. C'est vraiment Laurent Broumed. À quand une soirée pyramide? Alors. Ah putain, faudrait que je. On l'avait. Hein. Alors, il y a un. Bromed. Ouais. Bromed, oui, ouais. Voilà, pas Broumed. Il y a un jeu qui fait très ressembler à Pyramide. C'est Maudit Maudit. Maudit Maudit, il y a un petit peu de ça. Dans l'idée, c'est. Ouais, c'est très pyramide. Peu, dans le concept, c'est un peu ça. Et donc, ça, on vous en fait un, mais quand vous voulez. Et en plus, on peut jouer avec vous. Ah ouais. Ah, ça pourrait être cool de jouer à Maudit Maudit avec vous. Vous voulez la prochaine fois qu'on fasse un stream Maudit Maudit et du coup on joue avec et vous. Et c'est nous qui vous ont deviné les mots quoi. Après on peut s'en faire aussi mais... Enfin chacun... Oui on joue avec tout le monde quoi. Ça pourrait être rigolo, faut voir comment ça tourne mais ça pourrait être vraiment fun ouais. Ouais, y a moyen. Y a moyen. Ah ouais, ah Nati est chaude. Ouais bah on essaiera de se caler une soirée Maudit Maudit un soir. Ouais. Parce qu'il nous faudra du monde évidemment. Mais ouais ça pourrait être super fun. Ouais. Mais bref, t'as dit donc bison forêt. Ça y a un Pictionary. Ouais, mais le problème, c'est que ça se joue à partir de 3, déjà. Oui, bah si eux font le 3e.
En fait, on dessine et c'est à eux de deviner. Oui, pourquoi pas, ouais. Enfin, il y a des trucs à faire sur les trucs comme... Bah, Dati, je pense que vous êtes assez nombreux à l'avoir, celui-là. Salut Mika, comment ça va? Salut Mika Cahouette. Non, de l'autre côté, qui fais le tour, par là. Sinon, tu vas direct dans ta boîte, là. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'il est discipliné, ce chat, dis donc. T'es bien, mon chat. Bon, oui. Du coup, moi, c'est bon. C'est à toi. Et bah, moi, c'est toujours pas bon. Donc, j'ai qu'une seule tuile avec un bison. Ah, t'as toujours pas placé ton bison? Ah non, ça y est, je le fais, là. C'est bon. Moi, j'en ai un de gros bison qui arrive sur moi, là. Grosse bite. Donc, refill de tuiles. Donc, c'est moi qui annonce maintenant. Eh bien, je vais dire aigle. Choisis bien. Oh, je sais pas. Oh là 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 là. Biquette. Biquette désert. En espérant que ma tuile météo me fasse pas retourner un bison ou une biquette. Putain, j'ai vraiment mal joué. Moi. Bon, t'as vu comment on est concentré aussi. Pas non plus. Ah, Megumi, t'as dit bonjour. Ah, bah oui, t'as pris ton shampoing. Oh, petite tête. Oui, j'ai fait mon shampoing. Petite tête de punk, ouais. T'as dit biquette désert. Biquette désert. C'est étrange que ça lui fait à ton shampoing. Qu'est-ce que tu veux? Attends, ça vaut quand même la peine. Tu m'as demandé. Ah non, parce que t'aurais bougé, ça aurait fait bouger le chat. Il y a le chat qui a planté. Attends. Ça fait ça, c'est déconnecté, ça reconnecté. Ouais. C'est étrange. Ouais, salut. C'est bon, 30... il est photogénique. C'est 37200 quoi. On vous mettra la photo du chat qui vient d'être prise les quand on fera le replay. Souvenez-vous du sketch des inconnus. Les 30 scènes de sang. Elle vous trouve pas ça complètement glucose? tu prends un VSP 800 à display rack. Une scission avec moi-même. Une scission avec moi-même. T'as joué avec tes conneries ou... L'hémorragie. Oui, pardon, t'as dit quoi? Mais non, j'ai dit biquette. Mais non, j'ai dit biquette au désert, c'est bon. Oui, hein. Ah bon, d'accord. Bah, oui. Moi aussi, c'est bon. L'hémorragie, le télésir, c'est éclipsé sous l'azur bleu dérisoire, d'où t'en dis ce pas. Oh putain, il est encore mieux là. Contre duquel on ne peut rien. Non mais cette tronche, tu sais, tu en dirais, tu vois le gremlins féminin. Ah oui. Franchement, tu lui mets du rouge à lèvres. Il met du rouge à lèvres, et puis c'est bon, quoi, il y a un collier, et puis c'est bon. Oh la gueule. Et là, il a un petit côté Axel Rose. Non mais ça, c'est parce qu'il a vu qu'il y avait Gizmo là-haut. Axel Rose sur le retour. Attends, on va le mettre mieux. Pauvre chat. Excusez-moi, mais moi, ça m'éclate. Non, mais, qu'est-ce qu'il ferait sans son chat, quand vous même les met, hein. On vous les met sur Twitter juste après le live. Les photos sont extraordinaires. Enfin, ça ne fera sans doute rire que nous. Hein. Ou que toi. Ou que moi. Si ça va te faire marrer, je suis désolé. Toi, t'as pas vu le truc. Il pèse lourd, je l'ai fait. Je te l'ai fait découvrir en live. Bah, casse-toi, le chat. Attends, c'est juste qu'il a ses griffes. Oui, bah, oui. Mais c'est bon. Il y a une patoune qui est barrée. Oh, mais. C'est du l'arcade. Ah, effectivement, ouais. Oh, pauvre bête. C'est lui qui s'est foutu tout seul dedans. J'ai rien fait. Bon, bref. Bon, continuons. Bon, prends-le pour une fois. Je me tiens chaud. Oui, oh là, mon petit bébé. Qu'est-ce que je vais. Non, t'as déjà pris la forêt. Putain. Mais... Non, c'est toi qui as pris la forêt avec le bison. Merci. Hein. Bon, alors, loup. Oui. Loup, je cueille des pommes. Loulou, et toi, et tout. Loulou, on fait de la compote, on se met tout nu. Et loulou. Si vous avez la ref, vous êtes hyper fort. On vous envoie un cadeau. Rivière. Loup, rivière, est-ce que ça m'arrange? Bah non. Ah, si, ça va. Donc je prends un loup et je vais le mettre ici. J'ai fait de la merde. Putain, c'est pas ça que je fais. Ah, c'est bon. Moi, j'ai posé. Il n'y a pas de rollback. Hein. Putain, quel con. Qu'est-ce que je fous, quoi.
Putain, mais ce blocage de points d'eau aussi, putain, il est hyper chiant. Je me dis que je vais peut-être jouer le soleil en prochaine tuile météo, tu vois. Pour m'assurer que ce que j'ai mis là, ça me fera pas retourner. Ah, moi, je toi, tu le mets, ouais, tu t'assurerais là, ouais, c'est là, vu que t'as rien placé. Parce que moi, j'ai placé là, donc tant pis, je jouerai le soleil ici, c'est pas grave. C'est pas la meilleure des strates non plus, mais tant pis. C'est à moi. Pardon, t'as dit quoi du coup? Toi, c'est. Bah non, Lou Rivière. Oui, c'est à moi d'annoncer. Il faudrait que je connecte mes bisons. Bien, ouais, c'est South Park, tout à fait, c'est Butters. Exactement. Et là, là, loulou. Loulou, je cueille des pommes. Vous savez qu'Arthas, il a failli s'appeler Butters. On a failli l'appeler Butters à notre chat, ouais. Ça, en finale. Ça aurait pas été d'une connerie. Ça aurait pas été une connerie, ouais. Il faut que j'arrive à connecter. Vous voyez, je suis dans un dilemme. C'est qu'en fait, là, vous voyez, j'ai un point d'eau bison, un deuxième point d'eau bison, j'ai un bison là, un bison là. Il faudrait que j'arrive au moins à connecter les bisons qui sont là. Donc en fait, il faudrait deux bisons ici. Donc là, le problème, c'est que madame a déjà joué les bisons. Donc là, je suis foutu, donc il faut que je joue autre chose jusqu'à ce que je puisse poser ces deux bisons là pour faire ma connexion. J'ai quoi à ma disposition? Je peux jouer aigle, ours, élan ou point d'eau. Mes ours, je les ai pas commencés encore. J'ai juste un ours ici. Mais je me demande si j'ai pas joué. Et par contre, j'ai un ours et un loup là. C'est pas mal. Je vais jouer ours montagne. Non. Parce que c'est pas dans la montagne. Merde, donc ours rivière. Putain, mais c'est pas vrai, hein. Oh. Je peux faire ours geyser. Bah non, je peux pas faire ours geyser. Pour faire ours GDR. Les aigles, tu les as pris. J'ai pas pris les aigles. Non, mais dans ce que je veux dire. Bon, je prends aigle, geyser. Je peux mettre mes trois aigles ici, sans rien craindre, parce que c'est une tuile météo avec un seul orage. Vous savez qu'en fait, il ne exclut que les animaux tout seuls sur leur tuile. Par contre, je vous déteste car maintenant ça reste dans la tête. Oui, je comprends. Mais ça reste dans la tête que ceux qui les connaissent. Du coup. Ben, elle est drôle celle-là. La compétence méthodique. Cette chanson. Bah, c'est comme quand on était en Allemagne, on n'arrêtait pas de chanter la chanson de la choucroute. Ah oui, on a, ah, la chanson de la choucroute. Celle-là dans la rue, putain, la chanson de la choucroute. La danse allemande, la laïto, c'est d'enseigner. Pour vous remonter le mort, ah, il y a un modèle dans allemande. Voulez-vous de la choucroute? Je ne te tente, je te tente. Oui, je veux de la choucroute. Et on chantait ça en pleine rue dans Berlin, et là ils nous prennent pour des fous. La danse allemande. Ah putain, enfin bref. Okay. On n'est pas concentré du tout sur ce qu'on pas fait. Du tout. Bon, c'est un véritable bordel ce soir. Excusez-nous. Hein. Je pense qu'on va faire des scores de merde. Est-ce que. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que ça me plombe pas? Point d'eau. Point d'eau. J'ai un point d'eau avec un ours. C'est pas mal. Bon, un point d'eau avec un ours, c'est un élan. Et ben, je vais prendre le point d'eau ours et élan. Ah, je vais le aussi. Mettre ici. J'ai pris le même. Ah oui. 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 Très bien. Tout à fait. Oh. Bon, il reste quoi? Ours et élan. Ours et élan. Je vais prendre. Eh ben, j'ai pas d'élan. Donc, je vais jouer un ours. Je dis ours montagne. S'il vous plaît. Dans un mandala, ito. C'est drôle, c'est gay, tralala. Je peux toujours pas mettre point d'eau là, putain, ça me casse les. Putain, j'ai de la chance si j'arrive à connecter tout ça. Tiens. J'aurai de la chance ou pas. Et donc il reste élan cascade. Ah bah, élan cascade, oui, il n'y a que ça, il n'y a pas le choix, c'est la dernière option. Donc moi je n'ai pas d'élan, donc je peux poser ce que je veux sur une cascade. Putain, ça marche
Et bah ça m'arrange pas les masses non plus, parce que je vais être Oh obligé de là là sacrifier. là. Bah pareil. Je vais être putain, je vais être obligé de sacrifier un truc. Ou alors tant pis, je prends le risque. Je prends le risque. Allez. Je mets mon point d'eau ours ici, sur cette cascade. Peut-être qu'elle va être retournée. Si toutefois j'ai une tuile qui exclut un ours ici, je perds un point d'eau. Putain, c'est peut-être un peu débile. Je pouvais plutôt mettre un ours tout seul. Ah, je vais mettre un ours tout seul, en attendant de savoir quelle T'as tuile pas mettre d'élan? là. Non, j'ai pas d'élan, non. Je sens mal. Moi Je sens aussi, très les mal. tuiles météo, bah, tu sais pas ce que Ah t'as, là, parce elles que sont vachardes y a plus de tuiles météo, je crois qu'il y là. a genre peut-être. Attends, il y a combien? 1, Il y a deux, 8 tuiles, je crois. 3, 5. Donc il y a 5 emplacements de tuiles cachées, je crois qu'il doit y avoir en tout Attends. 10 tuiles peut-être. Enfin, il t'en reste 5, combien? 6, 7, 8, 9. Oui, donc il te reste 1, 2, 3, 4. En fait, il y Il a en 4 reste tuiles que vous jouez 7, pas en fait. Donc ça veut dire que 5, vous pouvez jamais 6, vraiment savoir ce que 7. vous avez. Il y a 10 tuiles météo. Donc vous pouvez pas anticiper Dont une vraiment. bonus, en fait. Donc bah voilà. Fin de la manche. Yes. Hop, je redeviens la petite marmotte. Putain, je Tout commence ça, à ça être revient sur la lente. tuile action. Et c'est reparti. Oh, mais tuile météo, tuile météo. Alors, putain, je sais pas Oh ce que. putain. Je tente. Moi je mets le soleil ici. Pour être sûr qu'au moins ceux-là ne seront pas. Ils seront épargnés en fait. Ces tuiles-là ne seront pas. Moi j'ai les deux orages. T'as les deux orages? Ouais. Ok. Par contre, là, je ne sais pas. En gros, ici, il faut pas que j'ai déjà une tuile météo ici qui me fait retourner un des animaux qui sont tout seuls. Donc lui, je sais que lui, de toute façon, elle est unique celle-là sur les orages. Chaque tuile météo, d'ailleurs, je crois, est unique, ou peut-être en Oui. double, je sais pas. Non, ils sont Mais uniques. par contre, il ne faut surtout pas que ma prochaine tuile météo me fasse retourner des ours, faute de quoi, je suis foutu. Enfin, du moins, je retournerai ça, quoi. Bon. Est-ce que je consolide la biquette, moi? Ah non, je voulais faire mon lien avec mes bisons. J'ai deux bisons ici, donc je dis bison. Bison désert. Si. Mais non. Je te jure. Je te jure. Pour faire les petites familles. Mais pourquoi, putain, mais non. Oui, je te sens en difficulté parce que d'ordinaire, t'as tout bien compacté, toi. C'est rare que tu sois aussi dispersé sur ton plateau. Non, fais pas le bison désert. Bison désert. Pas le choix. Mon Dieu. Oh bah là, c'est n'importe quoi. Oh coucou Jess, comment ça va? Écoute, ici ça va super bien. C'est n'importe quoi cette partie de Savannah Parks. On est très déconcentré, très dissipé ce soir. En train de foirer mon truc, il va y avoir quelque chose de Et bête. madame est en grande difficulté. Mais c'est toi, tu fais des mauvais choix là. Ouais. Oh. Tu vas avoir du mal à nous suivre. Je suis sur deux lives en même temps. C'est la cacophonie dans ma tête. Ah, mais quel Oula. enfer! Ah bah tu Alors, bah, m'étonnes. tu switches d'un. Tu coupes le son d'un onglet. Puis parfois, tu reviens à l'autre. En tout cas, merci d'être passé. C'est cool. Dans sa mode. Bon. Ours. Montagne. Ah ben, tu vois quand tu veux. Ouais. Ouais, contrairement à toi. Ok. Eh ben je vais dire biquette. Biquette rivière. J'ai pas de biquette, par contre je suis obligée de poser un truc en rivière. Oui, c'est ça. Sur le biome de ton choix, du coup. Je sais pas, est-ce qu'on a la répartition du nombre d'animaux? Que je sache, parce que ça se trouve, moi, ce que j'essaye de faire. Bah t'en as pas 36 millions de chaque en fait. Ouais, non, mais c'est ça, mais oui, ça, je sais qu'il n'y en a pas 36 millions, justement, et j'aimerais savoir précisément combien il y a de bisons en tout.
sur son tuile à lui, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire qu'il n'y aurait que 6 animaux de chat? Non. Possible. Non, il y en a bah, plus. T'as le... Je sais pas. Ouais, j'aurais bien aimé connaître ça parce que. Il y a 6 espèces d'animaux. Non, oui, c'est pas. Bon, tant pis. En gros, moi je pourrais faire une connexion, mais je sais pas s'il me reste un bison parce que j'ai déjà placé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À mon avis, je pense que je peux oublier, effectivement. Déjà, t'as le 1, le 2, le 3, solo en point d'eau. J'ai pas le trio. Ah, donc t'auras le trio. C'est à moi? T'as dit un truc, non? Toi, moi, toi, moi. C'est ok, à moi. Oui. Il n'y a pas de point d'eau donc ça. Est-ce que j'ai des loups? Oui, mais si je le mets là, je me le fais retourner. Élan. Ah, élan, ça peut être pas mal. Mais. Et aigle. Si, je peux peut-être faire ça. Louillette. loup forêt. Ah putain. Bah voilà. Donc là j'ai un loup qui est sacrifié sur l'autel. C'est pour moi non plus. Bah ouais, parce que du coup si je. Les seules cases de forêt qui me restent, moi mes loups, ils sont. Par animaux. Sont tous. Ah, c'est 8 tuiles, d'accord. 8 tuiles par animal. Merci, Steph. Ah, ce serait intéressant à savoir pour voir si tu continues d'espérer ou si tu changes d'objectif. C'est complètement ça, Jess. Et salut, Redac. Oh, Redac, comment vas-tu? C'est une paye. Bah oui, il n'y a pas de PEL cette année, donc on se voit pas. On se voit pas. Faut chier, ça. Ouais, ça saoule. J'ai eu la putain, mes biquettes. J'ai... Toutes mes biquettes, je vais les avoir à la fin. Ça va être un strike final, quoi. Ouais, quel truc de merde, ça, dis donc. Ça, c'est bien pourrite. C'est pourrite du cul? Ah oui. Bah, tant pis. Je vais dire point d'eau. Hein? Point d'eau. J'ai pas de point d'eau. Donc, bah, madame n'a pas de point d'eau. Donc, ce qui est très bien pour elle, c'est que tu peux placer... Vu qu'elle n'a pas de point d'eau, elle peut placer n'importe quelle tuile de n'importe quel animal sur n'importe quel biome. C'est pas si mal en fait. Oh. Oui. Ça y est, PEL, ça aurait été quand? Ça aurait été dans 15 jours, non? Ouais, il faut faire des économies. Putain, mais ça aurait été en début de mois et pour une fois, j'avais mon. Ouais. Mon samedi. Ouais. Oh, ah putain, putain. Ouais, c'est clair. Bon bah tant pis. Bah tant pis. Merci les JO. Oui, de toute façon, toi t'aurais même peut-être pas pu y aller, Redac. De toute façon, nous on serait allé que en mode furtif faire les boutiques, hein, pas pour jouer. En fait, je pense que ça sera ça, nous, le PEL, c'est on va voir pour les nouveautés. Regardez un peu comment ça se passe, si une tête de libre. Hop, du on coup, on aura plein de sous pour Orléans, on joue. Oui, mais il y aura beaucoup moins de trucs à acheter. Bah tu parles l'année dernière on disait ça puis au final on est reparti avec 5 ou 6 bottes. Ouais des petits trucs. De toute façon, c'est qui vient. Donc, fait, ouais. PEL, tout pareil. Bah, ouais. On se voit à Orléans joue, Little Seb de toute façon. Oui, j'espère que je vais avoir mon week-end, s'il n'est pas encore validé. Ouais. Le petit restaurant Corse là, d'à côté on vous fera découvrir. Ah oui, le midi faudra être le là, midi, prévoyez samedi resto, midi, hein, samedi midi. Hein. Avec nous, hein. Nous restaurant c'est rituel, Corse. C'est rituel, le resto Corse d'à côté du Campo Santo. Et le Santo. Soir, resto Savoyard. Au bonheur d'Alexandre, ça oui. S'appelle. Excellente fondue, c'est fin août. C'est fin août, ouais, fin août dernier... ou début septembre, dernier week-end d'août. Ouais. C'est dernier week-end d'août, 1er de septembre, c'est le 31 premier en fait. Et donc nous, on va tous les ans, si on n'est pas loin. Du coup, donc... Et bah c'est à toi d'annoncer, écoute. Ouais. Entre l'élan et entre la peste et le choléra. Corse et Savoyard, vous vendez du rêve. Ah bah oui, mais on sait vivre ah bah ici. Ouais. Hein. Quand tu crois quoi?
Un très bon goût pour les restos. Et ce resto encore, c'est super bien, le service très bien, cadre ouais. Incroyable. Et le resto savoyard, l'année dernière, canicule. Oui, c'est vrai. On était dehors avec le gros caclon. On avait pris fondue savoyarde forestière. Forestière, des champignons. Qu'est-ce que. Putain, on n'en pouvait plus, on était en train de dégouliner de chaud. Mais en même temps, on bouffait, mais on dégueulait de gras à la fin de la soirée. Sachez qu'ils font des fondues bourguignonnes aussi. Et ils font des. Oui, bah, je sens qu'il va falloir que je me sacrifie pour faire une fondue bourguignonne parce qu'à chaque fois, on fait la savoyarde. Donc, non, parce que si on va manger avec Little Sel et Madame, on prend une fondue savoyarde, une fondue bourguignonne. Ah oui, on fait les deux, ouais. Ah ouais, ah ouais. Et moi je trempe la viande dans le fromage. Eh, mais attends, la troisième fois qu'on y va, on peut peut-être leur demander une savoyarde bourguignonne, quoi, tu vois. Dernier week-end d'août, ça va sûrement être compliqué aussi, vu que c'est sûrement à ce moment-là que je serai en vacances et donc pas sur Paris. Ah bah merde. Bah c'est Orléans. Ah c'est Orléans. Ouais, t'as passé pas à Paris, c'est à Orléans. Bon, jeudi, élan. Ah oui, non, Little Sun, pas de fragilité élan ici. Élan geyser. Hein. 40 degrés dehors, si ça sera fondu, ça nous garde quand même. Ah, rien à foutre. Ça fait 2 ans qu'on le ça fait sous canicule. On s'arrête pas à ça. On s'arrête pas à ça. Ah ouais, Nati, c'est trop cool, Orléans. C'est trop cool. Élan geyser. Ah putain, tu me sauves la vie là! Ah bah, pour une fois que je... Ah, quoique! Ça dépend. Ça dépend de ma tuile météo. Ça dépend, si tu veux, ma chérie. Ah non, je vais pas le mettre là. Je vais le mettre ici, comme ça, il craigne rien. Mais par contre, je me coupe de ma famille de. Merde, je me coupe du truc de bison. Enfin, putain, je te jure, tu vas voir que c'est là que les bisons ils vont popper, ces espèces de bâtards. Ah non, on verra rien. Bon bah du coup c'est aigle font chute d'eau. Mais oui, viens Nati. Aigle chute d'eau. Hein. Bah du coup moi j'ai un aigle, il me reste 3 chutes d'eau. Putain, ça m'arrange. De toute façon si je le mets là pour recommencer cette chute d'eau là, moi ma tuile qui est ici le fera retourner. Et de toute façon moi mes aigles sont ici, ok. Donc j'arriverai jamais à les relier, donc en fait où que je le mette... C'est pas bien grave, donc je le mets aigle ici. Aigle chute d'eau, mais aigle non, mais c'est d'eau. Pas possible. Je sais que de toute façon, cette tuile-là me scorerait rien si je la plaçais pas en forêt à côté d'un geyser sur un cours d'eau. C'est chute d'eau, en vrai, c'est ça. Donc bah, je la fous là. Bon, bah, moi, je suis en train de niquer mon truc. Hein. Bon, bah, je sacrifie mes aigles, putain. Mon Dieu. Ouais, 4 heures de bagnole pour Orléans, ça commence à faire beaucoup parce qu'en fait, c'est une proposition. Il n'y a pas toutes les nouveautés, c'est assez très petit, familial. Hein. C'est très familial, c'est pas petit TEL jeu. Ou le Fige. Hein. Voilà, ça n'a rien de. Il y a du, mais c'est. Mais comme, c'est bonne ambiance. Ça nous reste notre préféré parce que c'est vraiment agréable. Après, on l'a jamais fait sous la pluie. Ça, non, et en plus, c'est en plein, vraiment en plein cœur d'Orléans. Tu peux et donc visiter. Nous, ce qu'on fait, c'est voilà. qu'on arrive le matin, le midi, on va se faire un resto. Corse. On revient vers 14-15 heures. Jusqu'à 19 heures, on c'est est ça. Sur le site en train de faire des jeux. Après, re-resto. Retour à l'hôtel. Retour resto. À l'hôtel. Et le lendemain matin, en fait, on y va plutôt vers 10-11 heures. 11 heures. Ouais. On fait quelques jeux, midi resto, et ensuite on reprend la route pour Paris. Donc en fait, on fait plus de resto. On a plus cher, pour plus cher de bouffe que de jeux, hein, Orléans Jeux, il faut le savoir. Donc voilà un peu notre programme, comme ça vous savez tout. Ah ouais, mais nous, ça va nous faire plaisir de vous revoir, Little Set, c'est pas trop bien. Bah ouais. Mais oui. C'est à qui ? Alors, ça se trouve, on sera dans le même hôtel, vu les adresses que je vous ai données. C'est toi la marmotte. Mes chocolats dans le papier d'alu. Oui. D'accord. C'est bon, le chocolat. Donc on est sur une partie de Caldera Park d'1h20. Voilà. Donc nouvelle tuile météo. Alors attention. Ah non, ça va aller. Bon. Et eh ben c'est un double pour moi. Double nuage. Ça veut dire que ici et ici, si je mets des tuiles qui contiennent deux animaux, strictement deux animaux, je pourrais pas les placer et elles seront retournées. Donc c'est pas ouf. Mais bon, on va faire avec. Donc c'est toi qui annonce. Ouais, bah là faut que je me sauve un peu les miches là parce que. Ouais, faut que tu sécurises. Parce que là ça va pas du tout. Hein. Oui, c'est Orléans mange, ouais. C'est Orléans mangeou. Orléans mangeou. Orléans mangeou. Orléans mangeou, ça Orléans va être. Ouais. Jess, merci. Bah, ouais. Maintenant ça sera Orléans mangeou pour nous. Ouais. Mais ils sont super bons les restos et c'est pas, ils sont bah, pas ouais. chers et par rapport à pas Paris. Ils sont pas chers, ouais, bah ouais. Bon.
Jouons peu, jouons bien. Vous savez, on est à l'avant-dernier tour là. Bah, de toute façon, je vais pas avoir le choix que de les placer là, les pétards. Aigle rivière. Aigle rivière, bon. Ok, ça me va. Loup désert. Dans sa mandala, tradala. Mais qu'est-ce que tu fous des loups dans le désert, Ah, toi? c'est des loups du désert. Quand t'es dans le Désert. désert depuis trop longtemps. Putain, je sais pas ce qu'on a ce soir à chanter là. C'est Chantal Goya, C'est ça. à cause de Chantal. Tout est parti de Chantal Goya, je crois. Loup désert. Qu'est-ce que tu me pètes à mettre des loups dans le désert, là? Putain, je dois sacrifier un Bah, moi tout à l'heure, tu m'as fait sacrifier plein de loup. trucs. C'est dingue, je vais pas réussir à faire ça. Non. C'était un bout tout seul. Ah, oui, non, 1, tu 2, es. 3, 4, 5, 6. Bah ouais, non, je suis. Ok. Super, formidable. Ours. Montagne. Toi, moi, Ouais. je t'arrange Non, à c'est pas chaque fou, fois. c'est pas fou. Si, enfin bon, ça va. Ours montagne. Parce que vous voyez là, il me restait juste un tout petit emplacement de montagne, mais tu vois, si je mettais mes ours ici, mais ils étaient retournés à cause de la tuile de nuages. Donc il me reste un tout petit endroit montagne pour pas briser ma chaîne d'ours, donc ça, c'est pas trop grave. Faut surtout faire gaffe à pas mettre les loups à côté d'un lodge pour qu'une Tout ça souris va se fasse pas passer, ok, on attaquer. est Ouais. d'accord. Ou d'une biquette. C'est capable de se faire bouffer la biquette. Mais voilà, toutes mes biquettes elles sont sorties. Et j'ai rien eu pendant le début du jeu et là. Putain, faut que j'arrive à établir un Élan. plan. Gisèle. Ça va. Ça va. Ok. Depuis trop longtemps. C'est comment machin cap de ville là? Cap de vie, cap de rêve. Comment il s'appelle le mec qui chantait Jean-Philippe ça? cap, Jean-Philippe Jean-Philippe cap de Vielle. Cap de Vielle, ouais, c'est Cap ça. Vielle. Cap. Oh, les anciens du chat Oh. là. Je crois que c'est Little Jean-Philippe, Seb en Jean-Patrick cap Vielle. Cap de Jean-Patrick Vielle. Nati. Cap de Vielle, cap Cap Vielle. Vielle. Cap de Vielle, je crois. Oui, je crois qu'il y a Little deux, Seb il y quand a t'étais en deux. boîte dans tes jeunes années. Dans les années 90, Cap de Vielle, Cap de Vielle, voilà, ouais, très merci. bien. Ouais. Ouais, vous voyez quand même les références sont là. Jean-Patrick Hein. Pac de Vielle. Pack de Pac Vielle, de ouais, pack de vieille. bière, ouais, Pac de très bien. vieille. Et on accueille Jean-Patrick Cap de Vielle à la salle Moi, polyvalence de toi, Carbone la moi, Forêt. toi, c'est à moi. Oui. Un bison, plan d'eau ou biquette? Bison, plan d'eau ou biquette, tout à fait. Ah Bison. putain. Ah non, Mais quoi? Les belles musettes, mais oui, qui font leur grand retour maintenant. Les musettes, c'est très tendance à Paris et sur les bords de Loire et de Seine. Les musettes partout. Bison forêt. Putain. Ah bon, bah attends. Putain! Mais c'est foutu dans la Ah mais crotte. non! Ah non mais c'est mon triple bison en plus! Ouais, bah Ah bah moi tant pis, aussi. je Moi sacrifie. aussi, c'est mon triple Ah bah je bison. sacrifie mon point d'eau, bison, pour le mettre là. Voilà. Parce que c'est comme ça. Putain, je suis dégoûté! Ouais, biquette.
biquette, je peux pas en foutre grand chose, hein, moi, de mon pauvre biquette. Ah si. Biquette, point d'eau. Enfin, point d'eau, quoi. Point d'eau qu'il a dit. J'ai dit point d'eau. Après, je n'ai pas vu les résultats de l'enquête. De ce que je constate en boulot, les gens ne lisent pas les panneaux. Même les sens interdits rouge pétant. Je suis pas surpris, ça dit donc Jess. En parlant de la scène, je mets un chef-d'œuvre hier. Oh putain, vous avez Oh, regardé sous la c'était de la scène! daube! Sous la Oh scène! Mon là Dieu, quelle daube ce là! Non, elle va film! plus se baigner dans la Et Seine! non, il y a plein d'excréments dedans, Nati, ils n'y arrivent Et le pas! courant est trop Et le courant est trop fort! fort, ils n'y arrivent pas, ils n'y arriveront Mais ils n'y pas! arriveront jamais, les JO, ça va être Et ça a coûté un. des milliards à essayer Et d'assainir la c'est nos Seine, impôts qui payons! putain! On paye une douille Je d'impôts pense pour que ça! l'investissement était un peu disproportionné. Ça a coûté un pognon dingue. Ah oui, mais Mais oui. le final de Sous la scène, alors, Est-ce que t'as c'est apprécié? complètement quoi? Ah oui, mais ça, tout le monde l'a pas vu, tu sais. Tout le monde l'a pas remarqué, Non, ça. si je dis juste demi-tour. Est-ce que tu as apprécié, s'il Le te plaît, demi-tour le inutile. demi-tour de ouf qui n'a servi à rien? Je te dis juste ça. Je dis rien d'autre parce qu'il y a peut-être tout le monde l'a peut-être pas vu. Mais oui, Ah oui, Nathalie, c'est vrai. ah, c'est plus que vrai, c'est là, on a vu un La reportage aux Seine infos. est baignée encore de Et merde. là, il y a plein d'excréments, un taux d'excréments bien supérieur à la moyenne. Est-ce qu'il y a on est à 30 jours des trucs? Ils n'y arrivent pas. Et puis, bah, de toute façon, à la fin, c'est Biquette chute d'eau, ma chérie. Hein. Bon choix. Ça te va? Bah, moi, Ouais. ça me va pas. Ah, ça me va très bien. Je crois que ça se goupille pas trop mal mon histoire là. Moi j'ai une petite brebis égarée là, toute seule là, qui est loin de sa famille, qui est là. Et bah, Et puis dernière dernièrement, vous voyez, manche. c'est très bien foutu. Vous prenez votre dernière tuile disponible, vous avez vos animaux, et maintenant on va vider ça et ça sera la fin de la partie. Hop, hop, hop. Putain, je choisis bien parce que Les la gens le font vache. exprès de faire dans la scène. Alors le problème c'est que déjà, Alors, alors. le problème, c'est qu'il y a eu un Oui, non, mais collectif. ça n'a rien changé. Mais effectivement, il y a eu un. Vu que je crois que c'était Hidalgo qui avait prévu de se baigner dans la Ouais. Seine un jour précis, Ouais. il y avait un Bah, collectif qui c'était début s'appelle juin, je Je crois. chie dans la Seine le 4 juin, par exemple. Et donc, bon, bref, mais le fait est qu'il y a des évacuations. Et enfin, bref, c'est un dépotoir, la Seine. Évidemment qu'ils n'allaient pas réussir à Il l'assainir, y a quand même. tout là-dedans. La Seine, c'est vraiment, c'est dégueulasse. Tu plonges un pied, t'as des verrues, t'as toute la, t'as Ah, que c'est. des cochonneries, quoi. Ah, le Zodiac et son petit tour! Tout à fait! Tout à Voilà, fait! Bien Little vu, Little Sam, Sam! On a voilà. explosé derrière, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle est fou! Dami disait oui, j'ai pas compris, je vois de quoi tu parles. Mais en fait, elle a fait, Pour revenir au elle même s'est même pas endroit! rapprochée, Et en en plus, t'as fait. aussi t'as les deux autres qui sont malades! Mais Ouais, bah rapproche-toi! rapproche-toi, Rapproche-toi! t'as Au lieu fait de laisser demi-tour. nager là, putain! Enfin bref, Enfin on bon. était, mais. On était là, on se dit, mais putain. Ah bah même Nati, c'est au point qu'ils savent même pas, ils sont même pas sûrs de pouvoir faire la cérémonie d'ouverture sur la scène comme prévu. Ouais. Et donc, à mon avis, ça va se finir au Stade de France, et puis voilà. Hein. C'est con, ça aurait eu de la gueule. Non, mais ça se trouve, le stade est même pas dispo, quoi. Bah, si, si, bah, si, là, pour le. T'inquiète pas, qu'il y a aucune structure sportive qui Il n'est n'y a pas pas. des matchs Bah, pas le jour de la cérémonie. Le temps qu'il vire tout. Non, Ouais, je sais t'inquiète, pas. ouais, ça, non, non. Oh, je m'inquiète pas, de toute Non, façon, ça t'inquiète trop pas là. là-dessus, ça. Enfin, j'ose espérer que c'est prévu. Enfin, bref. Donc, dernière manche. Et là, on va jouer la sécurisation, hein, je pense, histoire 2, parce que. Ouais, bah fais ça bien parce Oui, bah, on va que. essayer, ma chérie, mais on vous garantit rien. Hein. On va commencer par du bison, de la bisonnade. De la bisonnade sur un cours d'eau. Non. Non. T'as la foi à tout le monde. Bison cours d'eau. J'aurais pu mettre bison désert aussi. On peut mettre bison forêt aussi. Ah non, un bison forêt, j'aurais pas fait. Jamais de la vie. Jamais de la vie, madame. J'étais déjà dubitatif tout le long du film, mais alors le final qui sort d'on sait pas où. Alors après, en soi, si tu regardes le film au 14e degré, ça peut être cool parce qu'en fait, en soi, visuellement, elle est rigolote. En fait, la scène de fin, visuellement, elle est rigolote. Mais faut juste pas se poser de questions sur le fait que, manifestement, c'est très dangereux les fonds de scène et qu'il y a beaucoup d'eau dans la scène. Beaucoup plus d'eau qu'on ne croit. Il est complètement con ce film.
Oh, la tuile météo! La tuile météo, merci Steph. Hop, elle est là. Elle est là, pardon, excusez-moi. Et d'ailleurs, ça m'arrange, c'est quoi, de la mettre maintenant? Parce que j'avais rien rempli volontairement autour de la tuile météo. Parce que moi, j'ai mes loups qui sont ici et ça me fait retourner des loups. Donc, c'est pas une mauvaise chose que je l'ai. Que je... Oui, enfin, je m'en serais rendu compte, je pense, si j'avais mis une tuile là. C'est quoi, toi? C'est un triple? La tuile météo? Non, c'était le soleil. Ah, c'est le soleil que t'as posé en dernier. C'était avant le trip. Ok. Biquette désert. Même la finale du top 14 s'y déroule pas. Ouais, mais tu m'étonnes. Oui, mais j'ai pas eu cette impression de 14e degré. Bah, en fait, si tu veux, le problème, c'est que. En fait, il faut que tu ris aux dépens du film. Parce que le film se prend au sérieux. Et ça, je suis complètement d'accord. Il te fait jamais sentir qu'il est 14e degré. Parce que le film se prend au sérieux. Le mec a voulu faire un vrai film de requin, machin. Sauf que c'est tellement mal branlé qu'en fait tu te fous de la gueule du film parce que le film n'est pas fait pour être un nanar, c'est pas un Non, film qui est puis fait pour faire le rire. finish, il Mais est c'est. Ah oui, bah impossible. oui, bien sûr. Ah, bah, C'est bien. Ah mais surréaliste, c'est oui, bien sûr. improbable. Mais le truc c'est voilà, c'est tu te le. Si tu ris aux dépens du film, tu passes pas un mauvais moment parce que c'est tellement con. Sauf que ce qui est affligeant si tu le prends bah, tel qu'il a été fait, c'est que le mec il se prend au sérieux, mais tu dis bah mec. Enfin c'est quand même Xavier Gans, le mec il a fait Frontières qui était pas mal. Il a fait The Divide qui était vachement cool. Je sais pas ce qu'il a branlé. Je l'ai voulu faire un kiff, quoi. Ouais. Mais bon, en tout cas, c'est un énorme succès Netflix, donc t'inquiète pas qu'il y aura un 2. Ok. T'as dit quoi? C'est toi qui as fait. Ah, t'as fait Biquette Désert? Oui. D'accord, pardon. Ah bah voilà, bah encore foutu. Hein. Encore une biquette qui se fait. Qu'est-ce que fait la Qui malle là? est toute seule. Petite bichette. Avec son petit ours. Putain, c'était mon dernier coup. Ah bah voilà, tant pis, qui fait le malin. Tombe dans le ravin. Tombe dans le crottin. Donc je dis ours, montagne. Ah, j'ai pas d'ours. Ah bah tu mets ce que tu veux dans la montagne alors. Ben, je vais mettre un élan à la montagne. Bérénice Bejo, voilà, son meilleur film, c'est celui où elle parle pas. Tout à Alors fait. moi j'ai pas d'avis sur Bérénice Bejo parce que j'aime pas OSS 117, j'ai pas vu The Artist. Et le troisième film avec elle, je crois que c'est le premier film avec Bérénice Bejo que je vois. Donc j'ai pas trop de. En tout cas, ça me donne pas forcément une très bonne impression parce que je me dis qu'est-ce que t'as été te foutre dans un film pareil. Mais bon. Salut Miss Valérion, comment ça va? Ah putain, toi aussi? Ah, on a une mauvaise nouvelle. On sait, Miss. Ah, mais elle le sait. Ah, on avait. Ouais, Oui. tu lui avais parlé? Bah oui. Vous vous souvenez, pour ceux qui se souviennent, je sais pas si vous en avez parlé, que nous, des fois, on fait livrer les cadeaux en mettant ça dans notre boîte aux lettres pour que les mecs les retirent et les livrent. Ça a très bien marché au début. Puis une première fois, c'était pour Iki. Iki. On s'est fait braquer le truc. C'est-à-dire qu'à la fin, on se retrouve avec un message. Ah bah, il n'y avait pas votre colis à retirer, il n'était pas dans la boîte aux lettres. Tu te fous de ma gueule Donc si, il déjà? était, hein, bah, c'est juste le mec qui s'est servi, il a dit il est pas, paf. Et pour Miss, le petit cadeau qu'on lui avait envoyé pour avoir gagné à Picture Show, on rentre le soir, on trouve un avis de passage, ils font votre colis n'était pas assez bien emballé ou Était erreur d'adresse. endommagé. Et là on soupçonne Que là, c'est le livreur que c'est un livreur d'Amazon. Amazon qui l'a chopé avant. Ouais, parce que toi, tu Parce que recevais moi je un colis recevais un colis qui d'Amazon. était défoncé en fait. Ouais. Ah ben non, parce que du coup, Bah si. bah oui, donc il est possible que le colis. Le livreur d'Amazon a pris le colis, il l'a gardé pour lui, il a foutu mes capsules de café Et sauf que dans le la poste truc. venait plus La tard. poste venait plus tard, elle a vu le Et paquet le seul colis défoncé. qu'ils avaient, c'était le défoncé d'Amazon. Et sachant que oui, bah oui, parce Bah que la feuille était au-dessus de mon oui, colis. bah oui. Donc voilà, c'est un livreur Amazon qui a piqué ton cadeau. Donc elle se Donc, retrouve. c'est prévu. Alors, je suis désolée pour le retard, pour le temps que ça me prend. On est Je suis désolé, hein, sincèrement vraiment. désolée, Miss Valérian. Voilà, avec le boulot et tout, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Parce que du coup, je vais l'emmener directement À dans la un dépôt de poste, la oui, parce que poste là, plein parce le cul, hein, c'est bon. que, voilà, je devrais pouvoir te l'envoyer avant la fin de semaine. Là, faut que je Bon, je fasse pense que. le colis. J'ai encore de la cam. Pour non bah si parce que ça Mais fait c'est chier chiant, bah quoi. si, ça fait Non parce que chier. ça fait deux fois qu'on se Ça fait piquer deux des fois qu'on se fait goodies. piquer. Et en plus, ça, les Et en plus mecs, des goodies ils se quoi. retrouvent avec des goodies parties privées et ils volent des goodies parties privées à l'arrière. Ouvre C'est le putain trou. gars Tu tu dis, mais gagnes rien quoi. je veux dire, Tu pas vas la... rien en foutre de ce tu vas truc là rien en quoi. foutre.
Donc par contre, il y a un mec qui fait collection de nos trucs parties privées, donc très bien. C'est peut-être des viewers en lurk, ouais, des grands fans. Qui est livreur d'Amazon, là, ici, et qui est dans le 93. Dans le 93. Non, mais promis, Miss Valérie, on s'est prévu, cette semaine, ton envoi et ton colis sera envoyé en bonne et due forme. Voilà. Non, mais ça nous fait vraiment chier. Mais ça nous fait très... Ça, moi, ça me... Et il est hors de question que... Ça m'excède, mais par contre, ça, quoi. Ça nous succède. Voilà. Qu'est-ce que tu veux ? Loup Forêt. Ah bah dis donc, t'étais très sûr de toi, là. Oui, parce que je l'attendais, celui-là. Eh ben, Loup Forêt, tu me fais chier, mais bon, écoute. Mmh. Bah, tu m'as fait chier avec ton bison, je sais plus où, en montagne. Ton ours en montagne. T'es dans le désert. Aigle. Les Amazon ont une mission, une, ils tentent de défoncer ma porte. Ah ouais. Des fois, et des fois, ouais, enfin, c'est... Ouais. Ah non, mais c'est... Ah, les seuls qui sont bien, nous, c'est Chronopost, hein. Oui. Aigle, geyser. Aigle, geyser. J'ai pas de geyser de dispo. Ouais, bah tu mets un aigle où tu veux. C'est pas mal. C'est pas mal. Et ouais. Ils sonnent, puis tambourinent comme des malades. Ah, mais les mecs, ils ont pas le time, tu vois. Mais nous, généralement, à la maison, une fois en général, de temps en temps, Amazon, on a pas de temps en temps, ils font les bourrins. Mais généralement, ils nous appellent. Et donc, on s'arrange pour être là. Parce ou alors, ils mettent les colis sous notre paillasson. Je préfère encore qu'ils fassent ça. Hein. Sur notre palier d'immeuble. Alors, sachant qu'on est que 4 sur le palier, on n'a pas trop de risques. Et personne peut rentrer dans l'immeuble à part les livreurs. Donc, il n'y en a pas 36 millions par jour. Et je préfère quand ils font ça. Bah oui, que quand ils te volent. Ou quand ils te bourrent les paquets. Bon, bah là, de toute façon, je vais choisir n'importe quoi parce que de toute façon, je n'ai 10 points d'eau ni d'élan. Madame, il lui reste que 10 biquettes et 100 points d'eau. Et j'ai plus de cascade. Et madame n'a plus de cascade. Donc, voilà. Tu peux te mettre où tu veux. Voilà, c'est ça. Bon, alors. Je vais mettre. Point d'eau. Point d'eau. Bon, bah moi, j'ai pas de point d'eau. Hein. Comme ça, le problème est réglé. Donc, je vais mettre un élan ici. Et donc à la fin il reste élan, chute d'eau. Il me reste un élan certes, mais j'ai plus de, je n'ai plus de chute d'eau. Donc je vais juste essayer de voir si je peux pas remplir. Non, bah non, je peux pas. Ah bah si, j'ai quand même un aigle qui est là qui va servir. Et voilà. C'est la fin de la partie. La fin de cette partie. Bonjour madame, on a déposé vos verres sous le paillasson. Ah mais c'est ça. Ah hein. Oui, c'est complètement ça. Ouais. Sauf que des fois je suis rentrée, j'attendais trois colis. Bah j'avais trois colis sous un paillasson qui est... Rikiki. Qui fait à peine deux fois la taille du plateau de Caldera Park, et donc du coup forcément ça dégueulait et tu voyais tout le... C'est complètement con. Cool, ouais. Mais bon, je préfère ça, au moins il est sur mon palier, et je sais qu'il y a, à part les quatre personnes qui habitent sur le palier, personne ne s'arrête à notre palier, parce que sinon t'as l'ascenseur et une porte qui mène aux escaliers, c'est mais ça. Personne, à part les habitants de l'étage, personne ne vient là, donc... Bon, bah décompte final les cocos, hein. Décompte final, comment ça se passe? Donc on va faire les groupes d'animaux, première chose, sur le petit tableau des scores. Vous regardez les tuiles météo et vous retournez les animaux qui ont fui à cause du climat ou ceux qui sont isolés à côté d'un orage. Donc par exemple ici, vous voyez, j'ai une tuile orage, solo. Je regarde autour de cette tuile s'il y a des animaux solo. J'ai un loup, effectivement, il retourne, mais je m'en fous parce qu'il ne faisait pas partie d'un groupe de familier. Le tuile soleil, c'est un petit peu plus tard. Ici, c'est la même chose que pour le solo, sauf que c'est double tous les animaux qui sont deux, strictement deux sur la tuile. Là, j'ai que des solitaires, donc il n'y a aucun qui est retourné ici. Celui-ci me ferait retourner toute tuile qui contient un élan ou un loup, ou un élan et un loup. Là, c'est bon, c'est un ours. Ici, ça me fait retourner élan ou aigle. Donc cet aigle-là, de toute façon, qui m'aurait fait scorer que dalle, est retourné. Et ici, ça me fait retourner les bisons solo, les aigles, ou toute tuile qui contient un aigle ou un bison. Ce n'est pas le cas parce qu'il y a une biquette et il y a des ours. Donc, moi, du coup, ça c'est fait. Et madame, toi, c'est pareil, t'es OK. Moi, tout est OK. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire un par un. Ouais. Enfin, on va... ouais. Donc, d'abord, vous regardez. Alors, par contre, ça, il ne l'indique pas sur le carnet de score. Donc, il faut le faire de mémoire. Et je dis que j'ai pas de mémoire. J'y vais, vous gagnez 4 points de victoire si vous avez recouvert toutes vos chutes d'eau. Donc des trucs comme ça là. Hein? Donc là en l'occurrence, moi j'ai tout recouvert, donc je gagne 4 points de victoire.
Ensuite, vous regardez si vous avez recouvert toutes les Ah, tu tuiles. fais par Oui, on fait, personne. ouais, comme ça on pourra voir aussi Ok. ton décompte à toi. Vous regardez si vous avez recouvert toutes les prairies, toutes les montagnes, toutes les forêts. En l'occurrence, la montagne, il m'en reste des déserts. Vous voyez que j'ai pas recouvert. En revanche, j'ai recouvert toutes les tuiles forêts, donc ça me fait 7 points de victoire. Donc 0 pour les pierres, 0 pour le désert, mais 7 points de victoire pour la forêt. Ensuite, vous regardez si vous avez recouvert toutes vos tuiles rivières. Bon, vous voyez qu'il m'en reste une là et une là, donc je gagne 0 points de victoire. Et ensuite, vous gagnez 4 points de victoire par geyser intégralement entouré. Donc celui-ci compte pas, mais vous voyez que j'ai entouré celui-ci et entouré celui-ci, ça me fait 8 points de victoire. Ensuite, vous prenez votre plus grande famille d'animaux. Donc, vous prenez votre tuile. Donc là, vous commencez par les biquettes. Vous voyez, la biquette, elle a personne autour d'elle. Celle-ci n'a personne autour d'elle. Ça compte pas dans les familles. En revanche, vous voyez qu'ici, vous avez un gros pool de biquettes. Et donc, vous voulez compter toutes celles qui sont adjacentes. C'est-à-dire, vous pouvez tracer une ligne continue entre chacune de vos biquettes. Sachant que la tuile soleil rajoute 1 à tous les animaux auxquels elle est adjacente. C'est-à-dire que là, vous voyez que là, j'ai une biquette là, 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 tout ça c'est adjacent, c'est très bien. Donc c'est-à-dire que ma tuile soleil me rajoute une biquette à ma famille de biquettes. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 biquettes multipliées par le nombre de points d'eau sur lesquels figurent des biquettes et qui sont adjacents à votre famille. Donc j'ai 1, 2, 3 points d'eau. Donc ça me fait 30 points de victoire pour les biquettes. Ensuite, vous faites la même chose pour toutes les familles. On a les ours. Moi, mes ours, ils sont en bas. Donc, j'ai un ours ici. Mes ours, on va dire qu'ils commencent là. Ils vont là. Ils vont là. Ils vont là. Donc, là, vous voyez, j'ai un ours, par exemple, qui est tout seul là. Donc, il ne va pas compter. Donc, moi, ma famille d'ours, elle est ici. Donc, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ours multiplié par le nombre de points d'eau. Là, j'ai un point d'eau avec un ours. Deuxième et un troisième ici. Donc, ça me fait à nouveau 30 points pour les ours. Ensuite, nous allons passer aux loups. Alors les loups, je ne vais pas scorer beaucoup parce qu'en fait, lui, il est tout seul, lui, il est tout seul. Bah, ils sont tous en haut. Donc, ils sont tous ici. Donc j'ai un loup là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, multiplié par 2 points d'eau. Parce que là, certes, il y a un bison, mais il y a aussi un loup. Donc un point d'eau, un point d'eau. J'ai dit que j'en avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça me fait 16 points de victoire pour les loups. Et ensuite, nous avons les élans. Alors les élans, bon, ils sont tous ici. Et il n'y en a aucun qui est isolé. Sauf que... Ah si, il y a celui-là qui est isolé, c'est dommage. J'aurais eu un élan avec la tuile soleil, tu vois, j'avais un élan ici, ça faisait une belle truc. Bref, mes élans sont tous concentrés là. Donc j'en ai un sur ce point là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Multiplié par 1, 2, 3 points d'eau. Donc ça me fait 27 points de victoire pour les élans. Ensuite, les aigles, bah moi, ils sont tous là-haut. Vous voyez, ils font un joli petit cercle. C'est les vautours, en fait, tu vois. Ils vont bouffer la biquette là. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 multiplié par 1, 2, 3 points d'eau. Putain, mais qu'est-ce qui m'arrive ce Mais qu'est-ce soir? que t'as ce soir? Je t'ai arrangé pas mal de fois. Ensuite, les bisons. Donc là, les bisons, je voulais faire une connexion. Vous vous souvenez de commencer mes bisons là, de pouvoir avoir un bison ici pour que je puisse profiter de la tuile soleil. Malheureusement, mes élans sont venus couper dans mon élan. Donc ça me fait 1, 2, 3. Alors l'espèce de petite merdouille là, qui ressemble à un vieux clébard, c'est un petit bison, un bisonneau. Je ne sais pas comment s'appelle le petit du bison. Mais bref, il est Un pas bébé. un bébé bison. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, multiplié par 1, 2 points d'eau. Donc ça me fait 16 pour les bisons. Et donc on va passer au décompte de madame. Et salut Antares. Oh coucou Antares, c'est Rémi, comment ça va les amis? Oh, j'ai mis du temps à avoir le jeu de mots. Ah, bah, qu'est-ce que t'en Little penses? Seb l'a toujours pas. Il était technique. Il faut le prononcer en haute voix, Little Seb. Ouais. Et c'est du domaine du médical. Salut Ça n'a Rémi. aucun rapport avec les animaux, ça n'a aucun rapport avec le thème du jeu. Ouais. Nous, ça va très bien, Rémi, merci beaucoup. Le clébard bison, je vois exactement la tuile. Parce que voilà, tu vois de quoi je parle, Little Seb. On dirait Bon. plutôt un veau hein, qu'un bison. Oui, enfin, ouais, clébard, veau, bison. C'est Le pas jour où trop tu ça. vois un clébard comme ça, je m'inquiéterais quand même. Donc, on a ensuite le décompte de madame. Allons-y. Est-ce que tu as des tuiles météo? Donc toi, tu es bonne sur toutes les tuiles météo. Oui. Ok. Est-ce que tu as recouvert toutes tes cascades? Oui. 4 points de victoire pour madame. Est-ce que tu as recouvert toutes les montagnes, déserts Rien. ou prairies? Que dalle. Rien. La rivière. Non. et geysers. Chaque Tous. geyser te rapporte 4 points de victoire. Donc tu fais 16 Tous. points de victoire. Non, c'est quand il y en a 3. Tu fais Ouais. 12 points de victoire sur les geysers. Parce que tu touches 4 points de victoire par Bon, bah, geyser. ça me rattrape le reste que j'ai pas eu. Et ensuite, nous avons les biquettes. Biquette. Alors j'ai ma tuile soleil du coup qui compte avec. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Un 8, bisonneau. 9, 10, 11 fois 2, 22. 22 pour les biquettes. Parce que j'en ai une toute seule là-bas. Ah, tu l'as, c'est bon, Little Seb.
Ah, excellent. Bisono. Oui, c'est un bisounours. Il y a le Parkinson, quoi, Parkinson, voilà. Caldera Parkinson. C'est nul, je sais. Pour trouver On peut mieux. pas toujours être bon, On peut pas toujours être performant. hein. Les ours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attends. 1. Faire dans le bon ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Oh. 9, 10, Oh. 11 fois 3, 3, 33. 33 pour les ours, joli. Ça semble plus gros. Les loups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois 3, 3 points de haut, 30. 30. Alors, et voilà, oui, j'ai fait de Bah la c'est toi qui vas crotte. gagner, Ouais, je suis hein? pas sûr. Ouais, beaucoup pour les ours, hein. Très très joli coup. Ouais. Pardon, les élans. Parce que tu regardes mon truc, Les mais élans. ça va pas scorer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9, parce que fois t'as qu'un 1. seul point d'eau. C'est vrai que les points d'eau, c'est bah, le Bah oui, multiplicateur mais est tu super m'as mis important. lui, montagne, là, que tu me cras. Ouais, c'est pour ça qu'on vous aménage un petit suspense du décompte. Et ensuite, les aigles, s'il te plaît. C'est pas moi qui ai le truc, je sais pas dans quel ordre c'est. Hein. Donc si tu regardes mon plateau, Attention, ça va pas faut m'aider. tous Hein. les faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 3. 21. C'est pas ouf. Hein. C'est possible. Et les bisounours. Donc bison qui touche mon soleil. Bisous. Tu avais compté aussi ta biquette en Ouais, plus, ouais. je l'ai dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois 2, 18. 18. Et maintenant, calcul. Je suis pas sûre de. 8 et 4, 12, Attention, c'est lui qui compte, hein, donc. 19, 19, 49, 49, 79, 79, 86, 94, 94 et 30, 124, 124 et 16, 150, 150. Non, 124 et 13. Je dis 124 et 16, pardon. C'est 140, 140 et 27, 167. C'est mon plus gros score à Caldera Park ou à Ouf, n'importe quel jeu je suis pas sûr, parc. je suis vraiment pas sûr de faire mieux. Hein. Alors, madame, qu'est-ce qui se goupille? 9 et 21, ça fait 30, 30 et 30, 60, 93, 93, 97, 97, 100, 709, 109, 129, 131, 131 et 10, 141 et 8, 149. Voilà. J'ai donc gagné! Putain, tu m'as mis une sacrée poutrace. mais ça s'est très bien passé, hein. Ouais, je vois ça, ouais. C'est très bien passé cette partie, Moi, ça donc. s'est très mal passé. Dès le début, c'était mauvais. Avec mes deux tuiles météo là qui m'ont bien emmerdé, je pouvais pas mettre d'élan par ici. Sauf qu'au début de ma partie, j'avais que des élans. Bah merde! Mais normalement, je suis nul, hein. Je perds tout le temps normalement à ces jeux-là. Désolé, radical. Mada, désolé, radical pour. J'espère que tu gagnes un peu plus à Dota. Ça fait longtemps que Merci, j'ai pas merci. gagné un jeu en stream, hein, quand même. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Tu es dissipé en ce moment, c'est pas bien. Ça, faut bien compter. Voilà. Après, j'ai peut-être fait une erreur de calcul. Hein. Vas-y pour la calculette si tu me fais pas confiance. Bon, la confiance règne dans ce couple, dis donc. Perdu sur Dota ici. Bah écoute, c'était pas ta soirée radicale, ça sera pour une prochaine fois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein. Alors. Nous avons donc dit. Ah, mais ça me saoule, ça pourrait. Ça, mais Ludo, alors j'aime beaucoup ce site. Hein. Mais il est chiant. Parce qu'il retient pas notre connexion. J'ai pas forcément envie de shooter sur Internet mon adresse mail. Voilà. Donc, collection. Et nous avons donc. C'est bon, madame, inspection des comptes, comptabilité. Ah, Malheureusement mais pour on n'a moi. même pas saisi nos précédentes parties. Bah Parce qu'elles bravo. sont sur la fiche Sur de ton score. téléphone. Ah oui, bah oui, sur la fiche de ça. Attends, on va les saisir. On va les saisir quand même. On va la saisir, Désolé, celle. hein. Du coup, radical, t'as pas une bonne soirée pour toi là. Alors, on en avait une qui datait du 20. La première partie remonte au 20. La première partie remonte au 20. Madame, c'était égalité parfaite, quoi. Incroyable. C'est-à-dire que il y avait
Il n'y avait rien pour nous départager. Rien pour nous départager. Parce que normalement, quand vous faites un score identique, celui qui a le moins de, qui a recouvert le plus de rivières gagne. On avait tout recouvert. Celui qui a recouvert le plus de trucs, etc. On avait tout recouvert. C'est que bah on a égalité parfaite. Donc pas de vainqueur pour cette partie. Ensuite, on a une deuxième partie. Mais du coup, je suis en train de me poser une question là. C'est pas possible de recouvrir toutes les régions. Ah non. Tu peux en recouvrir non, t'as pas assez de tuiles, ouais. T'as pas assez de tuiles. Tu peux en recouvrir deux, je pense. Oui. C'est madame qui gagne sur la partie. Oh, pas grave, la prochaine, je parie sur toi. Non, mais arrêtez de parier sur moi, hein, parce 23. Que du coup, vous allez perdre tous vos points. Donc c'est madame qui gagne, victoire écrasante, 145. Comme quoi, ça m'arrive de gagner des fois, hein, quand même. Hein. 122. Heureusement qu'il y a My Ludo pour montrer que des fois, je gagne un peu, parce que là, en stream, c'est mort. Et donc, celle de ce soir... Hop. C'est du caca. 167. Tu peux créer des groupes de joueurs sur My Ludo. Oui, yes. Oui, regarde, t'as un petit groupe ici. Du coup, ça te met tout le temps les mêmes personnes. Quoi. Du coup, c'est bien, ça te met tout le temps les mêmes personnes, ce qui est très pratique pour nous. Hein. Donc voilà, ouais, je sais plus comment tu fais pour le faire. Mais oui, tu peux créer des groupes de joueurs, donc c'est plutôt pratique. C'est plutôt pratique. Et donc voilà, c'était donc Caldera Park. C'est. Voilà, nous on le trouve sympa. C'est une bonne alternative à Savannah. Mm. Je trouve qu'il y a un peu plus de contrôle sur. Voilà, c'est ce qu'on, de toute façon, on se répète parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire en fait. Hein. Si vous avez aimé. Pour moi, si vous avez aimé Savannah, vous aimerez Caldera. Si vous n'avez pas aimé Caldera. Enfin, Savannah, je suis pas sûr que vous aimiez Caldera pour autant. Voilà. Après, c'est un petit peu plus chaud patate, quoi, du coup, parce que tu t'as un peu moins le choix de ce que tu mets. Si l'autre, avant, c'était juste les groupes d'animaux, là, faut que ça soit le bon animal et en plus au bon endroit. Donc, du coup, ça te met beaucoup plus de bâtons dans les roues. Oui, mais t'as plus de flexibilité parce que si t'as pas ce qu'on te demande. Oui, alors mais ça arrive très peu de fois. Au contraire, moi, je trouve que t'es beaucoup moins contraint par ce jeu-là parce que l'autre, c'est une tuile. Et tu t'es obligé de bouger la tuile. Ah ouais, putain, on aurait pu faire l'autre face aussi. Ah putain, c'est chaud. Bah ouais, regarde. Tout est mélangé en fait. Ah, c'est sympa. Ah, c'est cool, j'avais pas vu qu'il y avait une deuxième face. L'autre face, tout est mélangé. Et du coup, les brouillards sont mélangés. Ah putain, c'est bien ça. Ah, mais on avait... ça rajoute un peu de. Putain, j'avais même pas fait. On avait même pas fait attention, regardez, vous avez une vraie différence effectivement. Ouais. Bon, autant là, nous, on a déjà les régions sont en groupe ici et sont morcelées. Les tuiles régions sont aux extrémités, donc ça c'est terrible parce que ça c'est le spot. Bah, faut que tu mets ton soleil ici. Ouais. Comme ça tu sais que tu spreads après. Et là il y a plus de geysers. Mais ils sont plus petits. Et ils sont plus faciles à remplir. Ah bah elle est sympa cette face, ouais. Ça faudra qu'on fasse cette face. Pas mal. Comme quoi, on découvre les trucs, c'est, on n'y joue pas assez, vous voyez. Après c'est que notre troisième partie. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, ni de revanche sur l'autre. Ah, ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire. On est un peu fatigué ce soir, du coup. Mais ça devrait pouvoir se faire. Ça devrait être possible. Au pire, on se fera la revanche pendant une photo pour Insta. Et comme ça, vous saurez si j'ai pris ma revanche sur la face difficile. Mais oui, MyLudo, ils sont top. Hein. Je leur souhaite vraiment beaucoup de succès à MyLudo. Parce qu'ils arrivent à faire une ergonomie que BGG est incapable de faire. Après, c'est tellement... un enfer de bouger leur base de données qui est colossale. Tu peux pas refaire un site comme ça en fait. Et nous on l'avait connu à l'époque de JVcom qui était une vraie encyclopédie de jeux vidéo. Quand on a le fait de changer de skin et d'exporter la base de données, ça lourd, a tout fait éclater. C'était des semaines et des mois et des mois et des mois et des mois de taf pour qu'en plus de ça le truc ça a été un fiasco. Donc BGG, le problème c'est que c'est pas ergonomique, c'est un peu le merdier. Et par contre c'est une bible. Ça c'est sûr. En jeu d'animaux, j'ai cédé aux sirènes de Harmony et j'aime beaucoup. Ah, on c'est en vrai a entendu Harmony, parler. On entend beaucoup, beaucoup on a entendu, parler. On a entendu du bien. Megumi en aussi. Salut Chapik Fort. La flûte, j'arrive à la fin. Vous voulez pas recommencer? Bah, en vrai, si on était discipliné. Moi, je veux bien recommencer et comme ça, je prends ma revanche. Mais en une demi-heure, ça pourrait être fait. Hein. Mais est-ce qu'on recommence? Des futurs achats? On sait pas encore. Ouais. Moi, je pense que Revive va finir par arriver dans la ludothèque. Sinon, un truc en sortie attendue, pas grand-chose, par bout. Et la préco de Frostpunk. De Frostpunk, ah oui. Il doit arriver, là, tout à fait. Je pense que ça doit être juillet ou août. Ouais, bah c'est cet été, ouais. La collecte complète d'Endeavor. C'est vrai qu'il y a un nouveau Endeavor, ouais. Qui a l'air super bien sous l'océan, là, enfin sous la flotte. Il a l'air super bien, avec des petits sous-marins et tout.
Mais ouais, Miss Valerion, mais moi, nous, il nous fait de l'œil depuis qu'il est sorti ce jeu. Et à chaque fois, on a privilégié d'autres jeux dans les mêmes gammes de prix et même gamme de jeux. Parce qu'il y en avait trop qui nous plaisaient en même temps. Et lui est parti, a été sacrifié. Ouais. Mais on finira par l'avoir, parce que tout le monde dit qu'il est cool en plus. T'as acheté les rats Forêt Mixte, apparemment, qui est très Ouais. sympa. Et carte Carte Aventura, aventure, c'est tout sur trop la bien. pile de Ah bah l'avance. mince! Bah à la rigueur, les rats, je peux comprendre, parce que c'est un peu plus lourd et chiant à sortir. Mais Forêt carte Mixte, mais Carte aventure, c'est trop Aventura. bien. Tu fais ça avec quelqu'un, tu fais ça à deux. C'est trop bien. C'est vraiment bien foutu, Carte Ouais. Aventura. Et on n'aime pas trop les jeux narratifs, hein, nous, hein. Mais enfin là, c'est plus un livre dont vous êtes le Ouais, héros, c'est pas pas vraiment un pareil. jeu-jeu, quoi. Hein. Mais c'est vraiment cool. Idem de mon côté, sur les nouveautés, pas grand-chose. Ouais, en ce moment, ouais, on n'est pas. Enfin, comme on disait au précédent live, on attend un Kickstarter à recevoir cet été. J'ai kickstarté un autre jeu pour l'année prochaine. Donc toi, tous les revives. Après, il y a un paquet de jeux qui nous font tant. Moi, il y en a un. Ouais. Ah oui, c'est. Pax Renaissance. Non, c'est pas Pax Renaissance, si. Non, vous êtes fatigué, j'ai peur que ce soit plus une contrainte qu'autre chose. Alors qu'en live, vous pourriez peut-être ne pas finir la partie. En fait, c'est surtout ça. C'est que là, Ouais. pour le moment, je suis chaud et à un moment donné, je vais peut-être me dire. Parce que je suis vraiment rincé, moi. Fais suer, quoi. Ouais, fatigué et du coup. Bon. Mais ça aurait pas été drôle. En fait, franchement, honnêtement, c'est de notre faute. Parce qu'en fait, on n'aurait pas traîné comme des couillons. Oui. On n'aurait pas mis 2 heures à faire une partie de Caldera Park. On Bon, aurait il y pu a en un faire une soir, deuxième. quand on n'aura pas d'idée, on refera la Si on se revanche fait un truc maudit de maudit Caldera ou un Park. jeu, un truc avec commu, on se fait vite fait une petite revanche. Ouais. Et si, alors attendez. Si, c'est Ouais. Pax Renaissance. Oui, mais attends, je vais y aller. C'est sur. On va aller sur Fifi. Philippe. Mais bordel. Philibert. Il y en a un. Le problème, c'est que je vais l'acheter, mais c'est madame. Ma main a coupé. Qu'elle va détester le jeu. Non mais c'est sûr, c'est pas du tout mon style de jeu, donc c'est tout ce que je déteste. Ah non, mais t'en sais rien, ça c'est pas un jeu de conquête, hein. Oui mais c'est un truc d'économie. Ah, C'est sur mon compte. mais merde. Non mais vas-y. Bah quoi? Bah déjà screen pas le truc si tu veux pas qu'on voit Oui, ton bah jeu oui, de bah merde. oui. Mais pourquoi je suis sur ton compte? Bah Ah, parce. mais Bah oui. oui! Bah oui. Merde. Attendez. Donc Faut. déconnecte et Oui. reconnecte et il y a tes identifiants dessus. Alors. Déconnecte. Sur la petite flèche. Ah, je ne peux plus me servir d'internet, moi. Mais non, pas créer votre Mais compte. qu'est-ce que tu Je suis fais? fatigué. Mais tu fais n'importe quoi! Fatigué, moi. Je sais pas pourquoi il y a 2 articles dans mon panier. Je sais pas. T'as dû faire un. T'es sûr qu'il n'y a Non, pas que son essence dedans? non, non, ça devait être une simulation. Bon, évidemment, Boop Oui, bah la n'attend préco, ouais. que nous. mes listes d'envie. Alors. Qui a gagné? Bah c'est C'est monsieur. moi. Alors, le jeu que je veux absolument, mais absolument, c'est où est-ce que tu es? Où est-ce que tu te caches, espèce de petit filou? Mais attends, bah là. Pax, voilà, c'est Pax Renaissance. C'est le truc le moins sexy du monde. Mais. Non, vindication, c'est bon, il a abandonné le truc. Ouais, j'ai besoin d'un give up. Ça lui Donc, passe. entre vous êtes en fait vous êtes en tant que banquier, vous avez financé des rois ou des républiques, financé des expéditions, joindre des cabales secrètes et provoquer des djihads ou des inquisitions. Et ça a l'air d'être. Regardez-moi ça, il y a des guides du joueur, des règles, il y a plein de trucs et c'est un jeu apparemment ultra stratégique. Et bref, en tout cas voilà, moi c'est typiquement le thème me sauce beaucoup trop, donc c'est tout à fait gamme hégémonie Trinidad quoi. J'ai jamais joué à un jeu de la gamme Pax, mais j'aimerais trop 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 trop. Avoir ce jeu. Ah, je dis pas radical que Vindication est pas bon, pas du tout. C'est juste que si je dois mettre 100 balles, j'ai d'autres jeux que j'ai plus envie de jouer. Genre ça, tu vois. Je mettrais plus 70 balles, surtout qu'il a baissé de prix Vindication, il y a 79. Pour le à prix équivalent, je prends ça. Moi. Il est sur BGA, t'as fait une partie, c'est l'enfer. Putain, bah Mais. teste-le sur BGA, tiens. Ouais, bah, oui, mais. Bah, putain, mais voilà, ça j'ai trop envie de jouer à ça, quoi. Et vraiment beaucoup trop envie de jouer à ça. Moi non. Mais je finirai par le prendre, hein, ça c'est sûr. Bah tu joueras tout seul. Il y a The Smoky Valley. Sabika apparemment c'est génial. Alors j'ai vu quelqu'un qui s'extasiait sur Oui. Sabika, c'est Jess. Jess, ouais. Donc apparemment c'est très bien. Donc Vindication, tu vois, il est toujours là. Hein. Ah bah non, il est reparti dans ses prix de base.
Revive, hein, évidemment. Et puis il y a des trucs qui bougent pas. Marrakech, apparemment, c'est très bien. Playa Tondo, on ne prendra jamais, je pense. Il y avait celui-ci, regardez, vous le connaissez celui-là ou pas? Ça s'appelle Rolling Heights. Donc le problème, c'est que bon, il est extrêmement cher, hein, pour des parties de 30 minutes à 1 heure. Mais en fait, c'est un jeu où vous construisez littéralement une ville. Et ce que j'aime, bah, c'est le principe de la présence qu'il a sur le plateau. En fait, c'est un jeu vraiment où tu vois les gratte-ciels s'élever, un petit jeu de gestion, etc. Donc il avait l'air plutôt cool, mais introuvable, hein, malheureusement. Et pour, je crois qu'il n'a même pas été localisé en français. Vous avez viticulture? Pas du Nope, tout. on n'a pas viticulture. Donc voilà, en tout cas, Sabika c'était finit de ça. plus en plus en solde. Wait a moment. Ouais. Lequel? Sabika? Sabika. Ah, ok, très bien. Très bonne. Bah, ça se trouve, les soldes qui arrivent, on aura du Sabika un peu à moins cher. Ouais. T'as joué 2-3 fois en solo un peu gap, pas encore l'occasion de tester avec madame, mais j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Ok, d'accord. Bah, de toute façon, il était nommé à l'As d'or, au Diamant d'or, hein, Ouais. Sabika. Endeavor, c'est eau profonde Et maintenant. Endeavor, c'est eau profonde, ouais. Il nous tente bien celui-là. Il arrive en août. Donc voilà. Et là, nous, ce qu'on a chopé, on a chopé Loot. Ouais. Parce que c'était dans le cadre d'une promo chez Cultura. Ouais. C'est deux achetés, un offert, quoi, sur C'est le moins cher ça. des trois. Donc on a appris. On a pris. Toi, tu te mets combien? Nous, c'est parce qu'on aime bien les jeux de questions qui se jouent vite. On aime bien ça, ça nous fait marrer. On trouve que celui-ci est plutôt cool. Ouais. On a pris. Enfin, c'est tu te mets combien? Donc il y a le 1 Si tu te remets combien? et le 2 qui est dans l'édition voyage. En fait, tu as les deux jeux pour prédire, donc tu as 8000 cartes, donc c'est très bien. On a pris Lucky Numbers, qui est un petit jeu Très très mignon, sympa, ouais. où tu dois mettre. Par Tu dois exemple, faire un œil, 300 en ouais. colonne et En en ligne. ligne et en colonne, des trèfles à 4 feuilles de nombre croissant de 0 à 20. Ça se joue très vite et c'est très sympa et c'est plutôt cool. Assez tactique parce que tu regardes ce que fait l'autre pour essayer de le bloquer ou enfin bref, c'est plutôt Ouais. cool. Et on a acheté ça qui Et est loot, ouais, c'est plutôt vraiment, sympa, ouais. encore une fois, décidément en ce moment, mais on n'a pas de bol, mais le jeu est vraiment pas joli. Mais très cool. Vraiment, c'est tout mignon comme jeu. C'est vous posez les petits vikings, c'est un jeu de pose de tuiles. Hein. Vous posez les vikings, vous capturez des maisons, C'est très rapide, hein. des conditions de capture. Et en fait, il faut que pour réaliser des chantiers qui vous boostent vos points de victoire, il faut que vous entouriez d'un certain type de ressources les tuiles de chantier que vous avez posées. Et au fur et à mesure que vous faites ça, bah, Mais vous gagnez très plus de points de sympa. victoire. Franchement, pour 20 balles, enfin pour Ouais, 25 on l'a eu pour balles. 25 balles. Franchement, vous pouvez y aller, c'est très léger, hein, mais c'est plutôt sympa. Et voilà. Et Ouais, puis et c'est voilà, tout. et j'ai vu que tu avais Jess qui disait un truc Pas trop, un petit peu non, plus haut. Un mais. petit festival familial, on a testé Rivage. J'ai bien aimé l'acheter, mais je ne sais pas, manque de place, j'ai reporté. Je connais pas Rivage. Un jour, on a fait le chat de poche. J'ai bien aimé Madame Moi, mais elle me l'a offert. Bon, c'est déjà bien. Même. Ouais, et puis tout ça, on a vu du coup. Donc viticulture, ouais, non, on n'a pas, Ah effectivement. tiens, Hélène, tu voulais mon retour sur Heredity. Ah oui, j'ai fait le premier chapitre et j'ai vraiment aimé. Ok. Heredity. Ah, c'est on l'a vu beaucoup passer ce jeu. Oui. Effectivement. Pose d'ouvrier classique, pas d'interaction frontale, mais de placement, jeu à l'ancienne, t'aimes très bien intégrer viticulture. Ah oui, non, mais toujours, ça je sais que Bah, on sait que viticulture, viticulture, oui, c'est il y a genre valeur toujours eu. sûre, quoi. Valeur sûre. Mais en plus ça, mais c'est con parce qu'on aime tellement. Sur la thématique du pinard, on aime tellement Vignos, alors que les mécaniques sont complètement différentes, hein, c'est pas du tout le même jeu. Mais c'est vrai que du coup, Ça vu vous a un qu'on peu a déjà retenu. un truc sur ce thème-là, du coup, on est un peu réticent à acheter d'autres jeux sur le thème de la viticulture, sachant que Il est Vigno, c'est moche. excellent. Il est moche, viticulture. Mais Ouais. par contre, apparemment, il est très bon. Ça, effectivement. Les soldes arrivent alors que j'ai atteint mon nombre max de jeux à ranger correctement, le dilemme. Ah, nous, on a un peu de place, mais ça commence à Faut qu'on réorganise. dégueuler. Bah, en fait, on a de nouvelles étagères à acheter, Ah, là. j'ai fait une petite réorganisation. Les plus fins observateurs auront noté qu'on a fait un léger revamp de truc arrière. Alors que là, il y avait des jeux qu'on aimait bien, mais sans plus. Donc, quitte à ce que ça côtoie des Lacerda, on a mis du Praga, du Brass et du Wonderlands. Ouais, voilà, c'est juste ça. Très important. Avec Gizmo qui est toujours là. Gizmo est toujours là. Il l'avait oublié, Gizmo. Oui. Tu te mets combien le meilleur jeu de questions que tu cherches généralement? Je trouve aussi. Tout à fait. Je trouve aussi. Même si le degré de difficulté n'est pas toujours bien dosé. Une question 5 d'un Non, mais c'est thème. fait exprès, je Oui, je pense pense. aussi, mais les questions 5 d'un thème ne seront pas aussi faciles ou difficiles que les questions 5 d'un Ouais, ça autre. dépend des thèmes, quoi. Il y a des thèmes qui sont plus chauds que d'autres, et malgré la position que tu choisis, ça sera toujours un peu chaud patate, quoi. Il est pas moche, il a pas un physique facile, ouais, mais tu Ça, on va dire ça, ouais. m'étonnes. Rien à voir, et taille de. Ouais, je sais qu'ils ont rien à voir, ouais, ça, il n'y a pas de souci. C'est vraiment pas ça qui nous a retenu de Peut-être la l'acheter. Hein. thématique. On sait qu'il est bon, il est pas si donné que ça, je crois d'ailleurs, Non, non, viticulture. non.
Et il y a d'autres trucs qui vont plus te tenter, quitte à changer de thème ou voir d'autres choses, quoi. Mais c'est comme par exemple Agricola, du Oui. Verhoeven, c'est un classique. Ouais. C'est moche. Ah, c'est trop chum. C'est chum. Mais bon, ça, ils peuvent rien, hein, les pauvres. Bah, il pourrait y faire quelque chose. C'est Uwe meilleur. Rosenberg, moi j'aime bien, moi. J'aime bien ces jeux. Moi Bah, pas tous. je trouve qu'elle a l'air tous très bon. Franchement, la gloire d'Odin, c'est excellent. C'est juste qu'on est nul à chier. Hein. Mais c'est parce que c'est les jeux, on n'a fait qu'une partie pour le moment. Donc, vu comment les jeux sont, je veux dire que t'as une courbe de progression. Et c'est con, mais il y a deux petits jeux qu'on trouve excellents, c'est Sagani et Patchwork. C'est super sympa. Et ils sont top. Ils sont top, vraiment top. Je suis beaucoup moins emballé par les jeux de Stefan Feld. Ouais. Trajan, Bonfire, bon. Ah ouais, Tout le monde Bonfire, nous il a vendu chauffe Trajan patate comme un truc quoi. extraordinaire. En fait, on s'est fait la vache, c'est froid, c'est clinique. Et Bonfire, pareil, tu fais ouais, bah, on est moins fan. On a vu ta wishlist de 50 jeux sur Philly, ça va, il y a encore plein de jeux qui vous tentent. Ouais, alors il y en a qu'il Oui! faut convier parce que sur les 50, il y en a où on n'est plus très sûr de nous quoi. Il y en a Donc qui traînent là depuis. Genre, tu vois, t'as les depuis jeux à 20 3 balles qui sont ans. là depuis 3 ans, on sait qu'on les prendra jamais. Parce que, en fait, c'est juste là pour qu'on s'en souvienne. Mais en fait, après, en soi, on n'a pas changé ce côté, tout nous tente. En fait, on a envie de tout essayer. C'est juste que, bah, on se limite. Sagani, j'aime beaucoup moi. Ça gagne, il est cool. Très, on l'a streamé d'ailleurs. Hein. On l'avait streamé, ça gagne? Ouais. Ah ouais. Il y a un petit moment déjà, mais on l'a streamé, ouais. Expédition de chez Sonalère. Oui, j'en ai entendu parler de ça aussi. Ouais. Bonfire, c'est bof. Tout a Pharaon, fait. c'est pas mal, Nati. Ok. Bonfire, c'est très bof, ouais. Moi, je comprends jamais rien avec l'espèce de Ah, c'est vrai que toi, fée ça fait partie de ces jeux où Madame fait là. un blocage sur un point de règle. Elle veut pas l'assimiler alors que c'est pas plus compliqué qu'autre chose. Mais ce point-là, tu dis, mais putain, mais Il c'est passe truc pas. d'offrande là. Eh, mais il passe pas. Il Je passe pas. comprends rien. Darwin's journée, du coup, j'imagine, Steph. Ah oui, parce que nous, on a hésité hier, ou avant-hier, peu importe, hier, avant-hier, Ah bon, bon. avant-hier? Bon, bref, ouais, ça. Dans les offres justement de De chez Cultura? Cultura, il y avait pas mal de jeux, beaucoup de petits jeux. Non. Il y avait taco, chat, blue cheese, pizza là, etc. Et en gros jeux qu'on pouvait prendre, donc il y avait, tu te mets combien? Enfin, gros jeu, je dis grosse boîte, hein, boîte un peu plus chère que la moyenne. Et il y avait Darwin Sur les traces de sur les Darwin. traces de Darwin. Et quand on l'a regardé, on avait l'impression de voir Encyclopédia, qu'on avait bien aimé, qu'on avait Ouais. streamé aussi d'ailleurs. On s'est dit que ouais, non, on va peut-être pas Après, prendre Dubois, il celui-là. avait pas l'air. Ouais. Avant-hier ou Devant hier, devant-hier? oh, joli! Bravo, Ça c'est. Ah, Chapitois! référence de Ah connaisseur! oui. Belle référence. C'est très bien. Bon, bah, on a peut-être loupé le coche. Sur les traces de Darwin, Franchement, c'est c'est très très bien. bien. Rien à Rien... Ah voir. Ah ouais, bah. c'est juste, je sais Non, pas, parce que visuellement, mais visuellement, il ouais. lui ressemble C'est énormément, ça, les quoi. animaux, tu fais une expédition, tu renseignes tes trucs, et vu qu'on s'est jamais trop renseigné sur la mécanique, on se dit, bah, c'est peut-être un peu similaire. Beaucoup moins lourd. Hein. Ah, c'est plus léger parce que il est pas très lourd, Encyclopédia. Bon, quand même un peu, toi. Il est peut-être moins, oui. Ah, mais il est pas lourd. Non, mais. Mais plus, oui, Il il est est quand juste plus même. léger. Ouais. Moins lourd. C'est léger comme un caldeira. Ah, d'accord, ok. Ah! Donc tout fluide, tout rapide à jouer, tout le bordel, d'accord. Ah oh, pourquoi pas, hein, peut-être un prochain tour À à Gennevilliers. Cultura, ouais. Sur les traces, c'est très familial aussi, ok. Après, vous voyez, on crache pas sur les petits familiaux, hein. Ah oui. Beaucoup plus Beaucoup familial familial ici ici. avec les règles, on sait qu'on va avoir l'impression d'un trop peu et ok, on a vu le jeu en une partie. Voilà. Ah, ok, ouais. Ah, c'est ça le truc, ouais. Je le vois. Ouais, c'est ça, fluide, rapide, tu peux faire jouer mamie et maman. D'accord. Mais pas la Mais pas la belle-mère. belle-mère. Il y a un problème avec les belles-mères là aujourd'hui entre Hein. Radical Le et problème, c'est qu'il n'y a Steph. plus de mamie, donc ça sera les mamans, quoi. Oui, c'est Donc, ça, ouais. Ah ouais, ça va au Cultura de Gennevilliers. Bah, c'est le seul plus proche de chez C'est le nous, plus en proche de fait. chez nous, Donc. ouais. C'est à 15 minutes de bagnole. Et on s'était dit, on aime bien ce magasin en Et plus. ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas été à Cultura et on adore cette Ouais, c'est pas enseigne. que pour les jeux en fait. Pas pour, Ouais. mais. Bah, parce que t'as acheté des bouquins et tout. Ça fait très longtemps qu'on n'y avait pas été et du coup, c'était l'occasion d'y aller et il y avait une promo et donc on est reparti Les deux pour un. bah, les Enfin, mains un pour deux. pleines, quoi. Deux jeux achetés et le troisième moins cher offert. Donc du coup, on a pris deux gros trucs et un moyen et voilà. Ouais. Heureusement que les familiaux existent, sinon je commence jouer avec madame. Tout Exactement. à fait. Moi, j'aime bien les Moi familiaux de aussi, hein. temps en temps, Moi quoi. aussi. Ça doit pas de prise de tête, enfin, quoique. Non, Mais ça fait du bien aussi, pas faire que du lourd et du gros truc, quoi. oui, ça demande pas le même investissement. Les règles sont lues en 10 minutes, Bah, c'est expliquées en ça, 5, ouais. tu joues en Puis des 30 et fois, puis voilà, voilà. quand t'as envie de jouer le soir, tu dis, ouais, j'aimerais bien jouer à un truc, mais trop crevé pour faire un truc qui dure 1 heure et demie ou 2 heures. Tu balances un petit jeu comme ça, t'as joué, tu t'es marré, et puis
C'est Et ça. puis voilà quoi, et finis tes pipeaux quoi. Et jeux de société à la Fnac de Gennevilliers. Bah, on n'est pas rentré à la Fnac. On n'est pas rentré à la Fnac, on a été chez Boulanger par contre. Chez Boulanger, acheter une friteuse. Ouais. Voilà. Je pense que comme ça, vous savez tout. Si vous voulez vous tout savoir. Moi, j'ai acheté des coloriages Disney. Moi, deux bouquins. Toi, deux bouquins. Edgar Allan Poe et. Edgar, et Kafka. Et Kafka. Rien à voir du coup. Moi, deux bouquins de coloriage. Et du coup, on a acheté. Trois boîtes de jeux. Trois boîtes de jeux. Et on a acheté une friteuse chez friteuse. Boulanger. On a failli acheter un clavier pour monsieur parce que le sien est mort, mais on n'a pas trouvé ce qu'il fallait. Donc, je comprends le prochain. Oh non, pas une Active Rail. Non, on n'a pas les moyens, pas une Active Rail. Ah non, non, c'est une. Oh, une bonne vieille à l'huile. C'est une bonne vieille à l'huile Boulanger, 30 balles. Très bien, ça nous suffit. On pour fait deux personnes. On fait jamais, en fait, on fait jamais de frites en fait. Non. Là, c'était juste pour en avoir une et parce que le soir, on avait un bon repas et on s'est dit, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas bouffé les vraies. Voilà. En parlant de maman, j'ai fait découvrir Fruit au Plé et Solstice à la Mianière. Elle a vraiment beaucoup aimé, au point de taper sur la table de mini-rage quand je lui ai volé une tuile. Ah bah très bien, ça veut dire que ça marche. Ah, ouais. Je connais ni l'un ni l'autre hein, par contre. Allez, petite partie détente ce soir, Ibris. Tout à fait. C'est ça. La dernière fois que je suis allé à Boulanger, c'était pour m'acheter un nouveau casque. Mais ils ont du choix, franchement, il est pas mal. Hein, leur boulanger. C'est pas comme si j'avais un boulanger au-dessus de mon boulot aussi. Ça, mais sinon, vous avez fini votre liste de courses pour Leclerc, juste pour savoir. Bah ça y est, on a fini. Hein. Une bonne vieille à l'huile, belle maman. Non. Il est traumatisé par sa belle-mère. Ouais, alors, Steph, on peut faire une petite thérapie vite fait si tu veux. Qu'est-ce qui se passe avec belle-maman? Dis-toi que tu n'es pas marié avec ta belle-mère. Donc entre Brigitte Bardot et l'huile... tu n'es pas marié à ta belle-mère, par conséquent, c'est pas grave. Fais contre mauvaise fortune qu'est-ce bon cœur. Qu'est-ce qui se passe avec la belle doche? Dis-nous tout. Qu'est-ce quoi, que t'as fait comme misère C'est quoi cette histoire de course pour Leclerc? Bah non, mais parce qu'on est en train de faire notre listing, quoi. On a acheté ci, on a acheté ça. Ah oui, pardon. Oui, effectivement. Prenez une belle-mère qui ne parle pas votre langue. Oui, ah oui, tu m'étonnes. Putain, oui, ça limite, oui. Une friteuse avec de végétaline. Oui. Ça, nous, on adore ça. C'est, c'est le meilleur, ça, végétaline. Ouais. Enfin, la graisse de canard. Une bonne vigne, trekking through history. Alors, on la connaît pas, Nati Bouzou. Du tout. Je connais pas, non. Ah non, la végétaline, ouais, nous à la maison, quand j'étais gamin, c'était à la végétaline. Moi, ça a toujours été à l'huile à la maison. Ça pue, mais les frites, elles sont très bonnes. On se sent fort, quoi. Bah après, l'huile, c'est pareil, hein. L'huile chaude, ça pue. Hein. Ouais, non, mais tu sais, t'as une odeur de friture. La végétaline, ça sent pas la friture, mais tu sais, t'as une odeur très amère. Ouais. Par contre, le croustillant de la frite, très bien, la végétaline. Et deux bains. Deux bains, bien évidemment. Comme en Belgique. Mmh. Ah, mais je connais pas, tiens, Trekking sur les oreilles. De rien. Un bon vin blanc. Un bon vrai blanc de bœuf pour les mais frites. Mais oui, on l'a vu à Carrefour, ouais. Le blanc de bœuf. Ouais. C'est tout un art de faire des bonnes frites. Hein. Mais oui. Ouais, ça paraît con, mais non. Il y a tout un process. Ouais. Et quand tu fais de la bonne frite, c'est... De bas, bien sûr. Bon, il est temps de venir chez vous. Mais quand tu veux, Radical. Hein. Ah, merci. Si tu veux venir et on se fait une petite partie... De je sais pas quoi, mais on te fait des frites maison. Très cool, c'est une story. Ah, mais oui, c'est le nouveau truc du moment. Ah ouais? Oui. J'ai pas vu passer. Je l'ai vu passer sur Insta, ouais. Il y a pas mal qui en parlent. Regarde comme ils ont l'air contents de jouer. Regarde ça. Je me demande si c'est pas Gaïlou et Chico qui l'ont streamé d'ailleurs ou juste fait vidéo YouTube ou autre, mais je l'ai vu passer. Ah, je suis désolé, moi en dessous de 4, je prends pas. Hein. Au-dessus de 4, tu prends pas. En dessous. Ah, en weight. Ah oui, c'est très léger. Bah, un caldera, tiens, il le classe comment? Parce que bon, en vrai, ça veut pas dire grand chose. Hein. Ouais, voilà, tu vois, t'es dans la même gamme quoi. Ouais. Dis donc, on n'a pas la même pochette. Ouais, ils ont refait un visuel. Ouais. Elle est meilleure celle-là. Bon, ça se voit, ouais. Ouais, le gros bison au milieu, dégueulasse. Ah, oui, c'est dégueulasse. Ah, bah le voilà, vous voyez ce que je disais, c'est le clébard bison. C'est celle-là sur les. Donc sur bah la là, ils l'ont viré, le clébard bison. Là, ça... Vas-y, il est au loin, là. Ah, ils l'ont mis au loin. Tout au loin. Heureusement qu'ils ont refait la couverture, oui. Oui. Ouais. Ça a un peu arrangé le truc quoi. Ouais. C'est mieux comme ça, on va pas se mentir. C'est quand même un peu mieux. Certaines traductions de madame par rapport à ce que disent mes beaux-parents, par moment je prends pour mon matricule. Bah ouais.
Surtout quand c'est pas la même culture et tout. T'es habitué à faire un faux pas qui est mal interprété par la belle famille. Oui, ça c'est clair. Niveau 1,69, 1,69, je suis toujours pour. C'est la poutrelle, ça. C'est la poutrasse, ça. C'est les côtes. Un tête deux. C'est les côtes, le côte des poutres, ça. Elle doit bien l'aimer. Elle va bien aimer, madame, ça. Du coup, je comprends pourquoi les jeux familiaux, etc. Oui, évidemment. Oh là là, là. En dessous de 1,69, c'est mort, quoi. Le poète est de retour, exactement. Mais il est en forme. Je pense que c'est un truc, hein, ce soir. Était en plus subtil, celle-ci. Plus subtil. Ouais. Bon, enfin, bref. Mais la poutre n'est jamais bien loin. Ouais. Bon. Il s'appelle tête de slip. Hein. Oui, ça donne un indicateur. Poutre de slip. Poutre de slip. C'est plus explicite, hein, tout de suite. D'ailleurs, slip, c'est toujours 2EP, hein. C'est pas IP. Oui, c'est pas IP. Punaise, je viens de me poser les questions pendant 10 secondes. Je pensais avoir fermé la fenêtre, mais j'ai entendu toujours des oiseaux. Merci. Mais cette musique fait un effet dingue à chaque fois. C'est pareil pour Chapik Fort. Au dernier stream, on l'avait mis parce qu'on streamait quoi. Il disait putain, mais. D'où ils viennent, c'est un peu. Mais oui, c'est ça. Mais non, c'est chez nous. Ah, c'était les Radwistar. C'était les Radwistar, on avait pris cette musique-là. Là, j'ai laissé les petits piafs parce que bon, on est dans la nature. On était dans la nature. Mais elle perturbe beaucoup cette musique. Je vous l'accorde, elle est. Mais du coup, ça veut dire qu'elle est bien faite. Ça veut dire qu'elle marche super bien. Bah ouais. C'est clair. Par contre, nous, en vrai, on a un oiseau qui est en train de chanter depuis tout à l'heure. Oui, nous, on entend les vrais. Tête 2, tu devrais montrer ta vraie nature en arrivant avec un slip sur la tête. Tu verras, elle t'embêtera plus. Ça passe bien. Ouais, cette ouais, ça passe bien. C'est tout calme, tout chill. Ah oui, non, c'était parfait pour le jeu. Bisous Little Sab, de toute façon on n'aura pas tardé non plus, nous aussi on va vous laisser. Tout à fait, et je sais pas quand est-ce qu'on va se retrouver, sans doute lundi prochain. Oui, lundi ou mardi prochain. Lundi ou mardi prochain pour un nouveau jeu, on sait pas ce qu'on aura. Et, honnêtement, c'est simple, si on a Boop, samedi, il sort le 28. Si on a Boop, on fait Boop. Tiens d'ailleurs, juste avant qu'on se quitte, parce que nous je sais que ça nous est arrivé, mais très peu, mais si vous avez déjà précommandé sur Philibert, est-ce que vous vous souvenez s'ils envoient le jeu au moins pour le jour de la sortie? Est-ce qu'ils l'envoient le jour de la sortie? Avant le jour de la sortie, pour que tu le reçoives le jour de la sortie. Ou alors est-ce qu'ils l'expédient le jour de la sortie? Les connaissants, je les verrais bien expédier en amont pour que tu puisses l'avoir, parce que ça veut dire que sinon tu gagnes à l'acheter en boutique. Bah ça dépend si j'en reçois ou pas. Bah oui, je pense que si Philibert ne reçoit pas Boop, ouais. Alors qu'il y a déjà des streamers qui l'ont. Avec un slip sur la tête, c'est autre part qu'elle m'embêterait. Oh là là. Avec ton troisième œil sur la tête, là. Si vous avez besoin d'un modulable, en plus, je vous conseille Mindnoz. Bah, si c'est libre de droit et que tu peux le mettre sur YouTube sans te faire striker, nous, on prend. Ouais, parce que sinon, si c'est pas libre de droit, c'est mort. En général, on le reçoit le jour de la sortie. Donc on devrait le recevoir samedi. Auquel cas, attendez-vous à un festival de cotillons sur Twitter et les réseaux sociaux pour dire « On a Boop !» Ah bah, faudra savoir. Expédition le jour de la sortie. Ah. En quel cas, ça sera les pas. Les streamers, une plaie. Une plaie, je suis bien d'accord. Nous, on n'a rien, quoi. On n'a pas beaucoup, en tout cas. On n'a pas beaucoup. Alors qu'on a des chats. Ouais. Et qu'on serait légitime. De vrai, à avoir plaie. Qu'est-ce qui sort ça? Qu'est-ce qui sort Boop? Le Kid Duck, quoi. Eh, le Kid Duck, on a des chats. Oui. Vous voyez Boop? Oui. Au moins, le jour de la sortie, on l'a payé, en plus. Oui, en plus, oui. Donc, vous pouvez l'expédier, allez. Ils expédient quand ils le reçoivent, parfois c'est peut-être le mercredi ou le jeudi, mais le plus souvent reçu, l'avis d'expédition le vendredi de la sortie. Ah d'accord, ok. Bon, on verra bien. Il arrivera quand il arrivera. En fonction de ça, donc ça sera soit Boop, ou sinon notre fameuse soirée. Ouais, ça faut voir s'il y a du monde, etc. Mais ça peut être la soirée maudit. Ouais. Ou ça peut être un autre jeu aussi, parce que je pense que vu qu'on était là samedi, on peut peut-être aussi ressortir une boîte. N'hésitez pas si vous avez des jeux que vous aimeriez voir. Et qu'on n'a pas déjà streamé. On n'a pas déjà streamé, je sais pas, moi je pensais à. Tu sais, il y en a, mine de rien, il y en a un paquet. Il y a les préconitions qu'on n'avait jamais fait. Il y avait. Alerto, la gare d'Odin, il y avait Sky Mines. Il y en a plein en fait qui nous restent en fait à vous montrer. Ah bah de toute façon, on est sur les 300, on a montré que 150. Ouais, c'est ça. Même pas 150 d'ailleurs. Ouais, si on a plus de 145. Vindication, mais on l'a pas. Mais on l'a pas, Chapik Fort, Oui, mais on a Boop et non pas on a Poop. Oh, Préconition, je suis curieux. Ah. Ça peut être Préconition. Surtout qu'il est assez spécial à deux. Parce qu'il a une mécanique très particulière. Ouais. Mais il est pas mal, hein.
Pour Magno, je pense qu'un petit mail au créateur du site pour voir si vous pouvez le créditer dans la description YouTube. YouTube, je pense qu'il vous répondra. Okay. Après condition, je suis curieux. Donc vous avez qu'à streamer Apogée. Non, ne faites pas ça. On l'a jamais sorti. Non, on l'a jamais sorti. On l'a jamais sorti. Tortuga, Brass déjà fait. Brass, oui. Brass, oui. Tortuga, non. Non. Effectivement. Tortuga, il est cool. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Ouais. Et c'était peu de temps après Voidfall. Ouais. Enfin, c'était entre le moment où on avait découvert Voidfall et ensuite on a joué à Tortuga et ensuite on a streamé Voidfall. Mais Tortuga, il était rigolo. Hein. C'est pas mon préféré, mais... Non, mais c'est sympa, quoi. Pareil, c'est loin d'être un... Faites un truc que vous voulez faire et que vous n'avez pas montré. Bah... Ouais, c'est... Oui, bah c'est oui, ce qu'on fait. Dans ouais. L'idée. Dans l'idée, c'est déjà ce qu'on fait. Hein. Origins, il était cool. On l'a fait qu'une fois, ce jeu-là, c'est quoi. Ouais. Star Clicker, on vous l'a jamais montré. Star Clicker, c'est vrai qu'on peut se refaire un petit co-op. On avait jamais streamé, mais celui-là, tout le monde le connaît, c'est... Le seul Théo Rivière qu'on ait là, putain. Fragment. Ah non, on a deux Théo Rivière, donc il y a Fragment. Et l'autre c'est. Docteur Fou. Ah putain, il s'appelle comment? Merde. Le jeu avec la tour là. Docteur Loop? Merde, non. Docteur Loop? Non. Loop. The Loop! The Loop! Putain, merci! Putain, ouais, oh là là là. Compliqué, hein. Préconition reçue aussi, mais pas encore jouée. Enfin, si, mais moi contre mon autre moi. Ah, il y a un solo dans Préconition ? C'est ah, ouais. Parce qu'il a un. Je sais plus comment ils appellent le principe de main, de truc que tu gagnes. Il y a un truc chelou avec les cartes, et à deux, du coup, ça change un peu les règles. Ouais, The Loop, c'est pas mal. The Loop, c'est très marrant. Ouais. C'est très très marrant. On a gagné qu'une fois ? Bah, en fait, non, on a fait deux parties, on a gagné deux fois. C'est un problème. Ouais, on a. Si, on a toujours gagné. Ce qui est le problème pour un jeu coop, en fait, c'est qu'on est peut-être un peu trop facile, je pense. Ou alors on a été particulièrement bon, non, ou alors on s'est planté sur le. C'est le principe de moi contre moi. Ah oui, c'est que tu joues un deuxième. Ah oui. D'accord, putain. Ah ouais, tu ah, t'arrives à faire ça. Ouais. Moi, tu sais, je me suis posé la question. Possible, hein. Moi, c'est pas possible. Il y aura forcément un truc que je ferais mieux que l'autre, en fait. Tu vois, c'est jouer deux joueurs, putain. Ouais. Oh la vache. J'ai jamais gagné en trois fois, on doit être nul. Bon, alors non, non ça se trouve, c'est nous qui. Ça se trouve, on a fait de la croix. Ça se trouve, on a fait de la merde avec les règles, en fait. Possible. Est-ce que ce serait étonnant? Non. Qui serait étonné? Personne. Donc. Et du coup, si on stream, on serait capable de perdre en stream, parce que au final, on aurait vraiment fait de la merde. Quoi. Auquel cas, les coops, certains qu'on a fait Resident Evil ou ANZ, on a paumé les deux fois. Oui. Resident Evil, c'était à ça. Là, on est très sympa. En Final Girl, on a paumé. Oui. Tous les coops qu'on a fait, on a paumé. Non, mais notre avis, c'est secondaire. Pouvoir prendre du plaisir, c'est ça notre plaisir. Oh, je parle encore de jeu, bien oui, sûr. Oui. T'es très, très orienté ce soir. Toujours un peu. Tête 2, il va falloir faire quelque chose, là. Maximum à peau perdu. Alors, ah, mal joué. Le problème, c'est qu'on a mal joué parce qu'il y a eu des changements de règles entre le moment où on l'a acheté et le moment où on a joué. On l'a découvert qu'après. On a joué sur c'était entre-deux. Avec les bidons d'essence, ouais. En fait, il y avait un problème avec les bidons d'essence. Est-ce qu'ils sont dans ta main ou alors est-ce qu'il te les faut tous dans ton sac et une seule personne ou autre? La conclusion de ce truc-là, c'est qu'avec les règles de base qui te demandent d'avoir les bidons d'essence, bidons, les 4 ouais. bidons dans ton sac, c'est que c'est impossible de jouer à deux. Ouais. C'est que le jeu ne scale pas la difficulté en fonction ouais. de ton. Vu qu'il faut à chaque fois 4 bidons d'essence, quand t'es deux ouais. joueurs. Bah du coup c'est super compliqué d'utiliser vu que t'as deux emplacements d'inventaire. Ça veut dire qu'en fait tu ne peux en fait à un moment donné t'as plus d'espace dans tes inventaires donc tu dois revenir ouais. sans les armes. En revanche quand t'es quatre joueurs bah du coup il y en a un chacun qui prend un bidon et ça va bien quoi. Mais à deux tu peux pas. En revanche et, ils ont changé les règles qui elles n'étaient pas imprimées et ça on l'a vu que plus tard sur BGG ouais. c'est qu'en fait ah bah oui maintenant... c'est Radical qui avait ah bah, envoyé c'était toi, le... c'était ouais. toi. Ah putain je suis con. Oui voilà le un bidon par joueur et là du coup ouais. tu dis c'est ok. Mais oui, on avait fait jouer un entre-deux. Mais oui, c'est vrai, tu nous avais envoyé le truc. Je ne savais plus que c'était toi, Radical, oui, désolé. Radical. Je l'ai zappé. Oui, donc voilà. 10 parties, 3 défaites à 2 avec madame, le reste en solo et seulement 2 victoires sur Zulu. Bon, bah ok, c'est qu'on a fait de la merde alors. Je pense que tout le monde paume alors que nous, on gagne tout le temps. Alors qu'on n'est quand même pas des stars, des scores, etc. Je pense qu'il y a un problème. Faudrait qu'on reteste du coup, histoire de savoir si c'est juste nous qui sommes extrêmement bons. Moi, ça m'a éveillé ma curiosité, moi. Ou alors, si on est vraiment très mauvais, qu'on n'a rien compris à une règle, de toute façon, on a fait des combos qu'on n'avait pas le droit de faire, et du coup, on virait des cubes, qu'en fait, ça se trouve. Ouais, avec la faille et tout, là. Ouais, ouais. Et ça n'empêche pas qu'on a bien aimé.
Ah oui, bah forcément, on gagne à chaque On fois. gagne. Donc, Mais non, parce qu'un coop où tu gagnes chaque fois, c'est chiant. je vous laisse là, la bonne nuit à tous. La Mais bonne nuit bonne à nuit à toi, toi, Miss Miss. À Valérian. très Et vite. cette semaine, On ton essaye. colis est expédié. Est-ce qu'il me reste, par chance, il me restait des goodies. Donc, je fais l'emballage cette semaine et c'est expédié vendredi sans faute. Parce que je termine tôt, donc je vais avoir le temps d'aller à À la la poste. pousse. Mais c'est possible d'avoir des bons tirages. C'est surtout le principe du deck building, c'est vrai. Ouais. En tout cas, voilà, des bisous à toi, Misérion, bonne nuit. Oui. Vous devrez regarder, on a fait une erreur sur notre première Partie partie, facilitant facilitant celle-ci. celle-ci. Et on en fait que deux, hein. Ouais. Donc, ouais. C'est normal que vous gagniez en coop. C'est Regardez vrai chaque vidéo, c'est toujours un de vous deux que qui gagne. ça fait C'est vrai. sens. Ça fait sens. Entre Entre autres autres sur sur les l'équipe. C'est cubes. peut-être ça, hein. Cherche Ouais, pas. je pense d'aller voir de ça. C'est bien possible. Ouais. Mais ok, bah écoutez, nous aussi on va vous laisser. Oui. On aura réussi à faire un stream de 2h30 sur Caldera Park. Je trouve que c'est quand même Oui, un enfin, exploit. Oui, sans. avec. Oui. En fait, il y a Avec énormément énormément de de digressions, beaucoup de digressions. chants. Beaucoup de chants. On a fait hommage à beaucoup de Beaucoup chanteurs, d'artistes. beaucoup Beaucoup de beaucoup d'artistes. d'artistes. Et en plus, on a eu aussi Brigitte Bardot. On a eu la totale. Merci infiniment en tout cas de nous avoir suivis. Pensez aussi au lien d'affiliation comme d'habitude qui se trouve sous le lien de cette Yes. vidéo. Si vous voulez nous filer un petit coup de pouce, en tout cas nous ça nous a déjà bien aidé. Merci pour votre soutien, c'est super cool. On se retrouve lundi ou mardi prochain pour un nouveau stream. Ce sera peut-être un jeu maudit maudit ou peut-être un autre jeu. On verra On bien, ne on sait sait pas encore. pas, On on va réfléchir à verra. ça tout au long de la semaine. Vous prenez bien 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 soin de vous. On vous kiffe Oui. vraiment. Merci pour votre soutien. Des Merci d'avoir été bisous. là encore toute la soirée. Et d'avoir supporté nos conneries. Des bisous Comme à YouTube d'habitude. également. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à venir nous voir sur Twitch, ça ferait plaisir. Des bisous tout Des le monde. bisous. Merci encore. Salut. Ciao.